J'espère que vous allez bien, on se retrouve au nouveau live en ce 31 janvier. On se retrouve après le Royal Rumble. Comment ça va, Antoine? Oui, bonjour. Oh, ça va. Merci, I am, 23e mois, merci beaucoup, bienvenue sur ce live. T'as dit quoi, Antoine? Est-ce que t'as dit un truc d'intéressant ou pas? Ben, j'ai dit que ça va très bien, et vous, comment ça va, les amis? Très intéressant. Quelle soirée hier pour Riz, c'est quoi hier? Ben, c'était NXT. Ah oui, quelle soirée hier, oui. non, mais à moins qu'il parle du Royal Rumble sans bear. Ah, peut-être, je ne sais pas. Ça, je pense que ce serait peut-être la meilleure théorie. Royal Rumble, effectivement, très très bonne théorie, mec, très très bonne. On va revenir... Je présume que tu l'as regardé. Oui. Tu sais quoi? Quoi? Bah, je voulais le regarder, puis je dormais. Non, qu'est-ce que je dis? Non, j'ai joué à Rocket League, c'est très différent. Ok, donc, c'est un peu la même chose que dormir. Okay. Et vu que les replays, il y a bien, ça fait deux, donc j'ai pas pu le regarder encore. C'est très dommage. Je voulais le regarder une seconde fois en mode pour avoir un avis un peu tu vois, différent de ce que je peux avoir en live. Et puis j'ai pas pu le regarder. C'est un peu... Oh putain, il y a une dinguerie là. Là en ce moment, il y a que des dingueries. Tous les jours, j'ai l'impression qu'il y a une dinguerie. C'est un peu un qui se blesse qui va pas pouvoir catcher à WrestleMania, ça c'est vraiment une dinguerie. On va pouvoir parler de tout ça, du Royal Rumble aussi, parce que les avis, j'en vois pas assez. Incroyable cette histoire. Mais on n'est pas que deux, Antoine. Ben non, justement, on pourra en parler avec un autre ami. Et cet ami, il est pas là ce soir, mais il y a Jugurtha. Comment ça va, mec? Salut à tous. Le chat. Et Antoine, et voilà. Sérieux, une chance. Et Mathias, salut à tous. T'as passé un beau Royal Rumble, mec? Ouais. C'était quand le Royal Rumble? J'ai pas de souvenir. Tu sais que je vais commencer à croire que tu détestes Monkey quand même, hein? Non, même Monkey le sait que je l'adore. Oh, ça, je suis pas sûr. Hein. Je suis vraiment pas sûr. non mais du coup on va pouvoir parler de tout ça vu qu'en plus t'étais pas là Jugurtha pendant le live du Royal Rumble, tu vas pouvoir nous donner ton avis là-dessus. Je vais peut-être être aigri à l'encontre des gens sur Twitter, hein. Je préfère vous le dire les gars, pour le Royal Rumble, parce que j'ai l'impression que le Rumble, ce qu'on a eu là, c'est comme chaque année depuis 2 ans, c'est le pire Royal Rumble de l'histoire. Étudiez tous vos points de chaîne encore une fois les amis, vas-y, allez-y encore plus, hein. N'hésitez pas. Malheureusement, je n'ai pas. T'as pas de point de chaîne? ça, c'est bien ça. Vas-y, rendez ce live dégueulasse, vas-y. Jugurtha, je t'avais dit que tu serais pas là pour le Rumble. Non, mais en plus, ce qui est ouf, c'est que le gars, il a vraiment été là. Genre, à chaque nuit, je lui parlais pendant toute la semaine. Toutes les nuits, j'étais là en train de lui parler. C'est nul! On est là le samedi, le gars, il dort. Ça c'est fou ça. Après, est-ce que t'as été dégoûté de ne pas le regarder en live, Jugurtha? Ah oui, après c'est par rapport de le vivre tous ensemble. Ah, tu voulais le vivre avec moi? Ah oui. Bah, c'est toujours cool de le vivre tous ensemble. Toi, que soit... En plus, c'est le Royal Rumble, premier pay-per-view de l'année. L'un des pay-per-views les plus fun dans le sens où
voilà, où les catcheurs débarquent. On voit quasiment tout le roster, enfin pas tout, mais quasiment tout le roster actif de la WWE, donc c'est cool par rapport à ça. Après, j'ai vu hier, il était diffusé sur ABN, tu vois. Ouais. J'ai regardé. C'est plus vite, ça y est. Ouais. NRT de retour, ça, ça régale. C'est... Heureusement qu'il y a Ajus et Chéro, tu vois, sinon, je pense pas que je le re-regarderai encore une fois, tu vois. Attends, tu l'as vu en VO et en VF? Ouais. Je l'ai rattrapé en VO et... Après, je l'ai regardé en VF hier, comme il était diffusé. Mm. Donc, ouais, après, dans l'ensemble, c'était un bon Rumble. Mais j'ai préféré cette année, le féminin, il était le féminin au-dessus. Était très clairement au-dessus du masculin. Mais moi, j'ai juste... Enfin, attendez, j'ai envie de parler de tout ça, de tout. Déjà, moi, je trouve qu'il y a un petit point négatif au show. Enfin, il y en a plusieurs, hein, mais on peut en parler un qui me saoule un peu, c'est le fait que dans les premières minutes du Rumble, genre, je sais pas, les 15 premières minutes, tu as deux surprises. T'as Naomi qui fait son retour et t'as la porte interdite avec Jordynne Grace qui est présente, genre qui est à la cinquième position. Donc Naomi deuxième, Jordynne Grace cinquième. Là, on te vend du rêve. On te dit, putain, pendant tout le Rumble, il va y avoir des surprises, tu vois. Des trucs de dingue. T'as ça au bout de... Donc t'as au bout de 5 participantes du premier match, t'as ça. Bon, bah, attends, il t'en reste 25 dans le féminin, 30 dans le masculin, tu t'attends à des grandes choses. Bah, au final, ils ont tout balancé au début, quoi. Donc, ça m'a un peu saoulé. Ça m'a un peu saoulé parce que, bah ouais, tu vois ça, donc tu t'attends à de grosses surprises et tout. Mais sinon, faut que je me vide, là. Laissez-moi me vider 3 secondes. Les gens qui disent... J'ai vu, en fait, tous ceux qui critiquent le Rumble... Je n'ai vu aucune critique constructive. Tous, ils étaient tous en mode, il n'y a pas MJF, pire Rumble de l'histoire. Il n'y a pas Mercedes Moné, pire Rumble de l'histoire. Il n'y a pas Okada, pire Rumble de l'histoire. En fait, c'est juste les gens, ils se basent sur des envies qu'ils voulaient voir. Et du coup, il n'y a pas ces gens-là. Ah bah, c'est le pire Rumble de l'histoire. Les gars, ils sont totalement... Et ça va pas, les mecs, là. Ça ne va pas là, tranquille les gars. C'est moi, non, mais ça... je pense qu'ils ont des doubles déceptions, tu sais, du fait qu'ils n'ont pas eu les gens qu'ils voulaient voir, puis aussi du fait que quand on le regardait, ben, on disait que le match était ordinaire. Ben, les derniers qui rentraient dans le match masculin, on riait à chaque fois qu'il y en a un mais qui arrivait, tu sais, limite. Je pense que c'est ça le problème, c'est que tu mets tout ça ensemble, le pire argument qu'ils ont. Le masculin est un vrai problème, c'est vraiment une battle royale de gros. Ça, pour le coup, t'as que deux main eventers dans ce match, t'as Cody Rhodes et CM Punk. Les autres, c'est vrai que le masculin est très très faible quand même. T'as Andrade qui fait son retour, c'est sympa. Et sinon, ben, y a rien, tu vois, t'as pas grand chose à retenir de ce Rumble, malheureusement. Y a Gunther qui est... Qui fait même Gunther pas... Et McIntyre. En main eventer, tu parles? Ouais, en main eventer. Après, c'est pas vraiment des main eventers, ils font pas les main events de pay-per-view. Oui, mais ils ont le calibre main eventer, tu vois. McIntyre, ils sont pas en main event de pay-per-view, donc ils sont pas en... Mais ils ont le calibre. Oui, enfin, pour moi, c'est le calibre. Mais s'ils sont pas dans le main event des pay-per-view, c'est qu'ils sont... ils ont pas le calibre. C'est où ils seront en main event. Non, ils y sont pas, enfin Gunther, parce que championnat intercontinental. Après, c'est lui qui fait vivre quand même les Raw depuis quelques mois. McIntyre, à Raw, cette semaine, il était parfait. J'ai presque envie de croire aussi qu'il a re-signé, hein, le gars. C'est la première fois que je like autant de tweets de McIntyre, tu vois. Les tweets où il troll, c'est un punk, ils sont magnifiques. J'ai envie de croire qu'il a re-signé, ça, on dirait qu'il a re-signé quand même. Et ce qui me frappe, c'est que j'ai l'impression qu'à la WWE, il n'y a que des gens qui veulent terminer leur histoire, tu vois. Là, c'est un punk, avec le fait qu'il se blesse, tu vois, il nous a parlé de son histoire où il veut main eventer le WrestleMania et il va faire une Cody Rhodes. Tu t'en souviens, Cody Rhodes, quand il était blessé, il veut finir son histoire, il veut revenir. Ben, là, pour Punk, j'ai l'impression que cette blessure, elle vient après nommer, en fait, limite. Tu vois, c'est comme, et en vrai, la blessure, alors ça tombe vraiment, et c'est les signes qui sont envoyés directement à WWE entre Seth Rollins qui se blesse, mais finalement, il va pouvoir quand même faire main event de WrestleMania. Merci The Finum pour les subs, merci beaucoup pour le soutien, mec.
entre Seth Rollins qui se blesse et ensuite CM Punk qui se blesse, c'est là vraiment là il ne voulait pas ça, ça ne voulait pas faire le match à WrestleMania. Mais du coup ça change tous les plans quand même hein, parce que oui ça libère parce que du coup là entre Brock Lesnar qui du coup bah sera pas là visiblement à WrestleMania cette année, CM Punk sera pas là en tout cas il va pas catcher. Pour Lesnar, à moins qu'il y ait un retournement de situation sur l'histoire, tout ça, s'il y a des nouvelles révélations qui le mettent hors d'état de, ouais, de cause, de tu vois, par rapport au truc. Voilà, je pense que si ça avance bien pour lui, Lesnar, il y a moyen qu'il débarque, parce que tu peux pas te passer d'un calibre comme Lesnar pour le WrestleMania en plus 40. C'est le WrestleMania des dizaines, donc... c'est historique, comme nous le dit souvent Antoine, donc celui-là, il ne faut pas le manquer. Mais ouais, du coup, ce que je disais, c'est que ça change vraiment tous les plans. Et CM Punk, le gars, c'était son opportunité de main eventer WrestleMania cette année. Hein. Donc, CM Punk, il devient encore plus légitime avec cette blessure de finir son histoire, entre guillemets. Tu vois à une époque, c'était il mérite, maintenant c'est il faut finir son histoire. Tu vois, chaque année, il y a des nouveaux trucs. Donc, la Punk, pour moi, il devient encore plus légitime. Et surtout, sa promo, je crois que c'est l'une de ses meilleures promos qu'il a pu faire depuis son retour à la EW. J'ai pas senti autant de vraies émotions depuis son retour à la EW. Ouais, mais là, en même temps, le gars, attends, il doit main eventer WrestleMania. Son retour voilà, à la WWE. Et le gars se blesse, mais c'est horrible. En plus, C'est exactement la même blessure que Cody Rhodes, c'est ça? Non. Ah. Non, pourquoi tu dis ça? Non, c'est pas la même. Voilà. C'était quoi la blessure de Cody Rhodes? C'était les muscles pectoraux, mais lui, c'est la même blessure qu'il y a eu à l'AEW, mais à l'autre tricep. À l'AEW, c'était le tricep gauche, puis là, c'est le tricep droit. Mais CM Punk, depuis qu'il est à la AEW, oui, il fait des promos intéressantes, mais il se blesse à chaque match ou presque. Là, c'est difficile. À la AEW, on se rappelle, il y a eu le pied, il y a eu le tricep, puis je sais pas si j'oublie d'autres choses. Est-ce que le gars peut encore catcher en vrai? Parce que moi, c'est vrai que là, depuis lundi, j'étais en mode. Bon, tu vois, Cody Rhodes, par exemple, il est revenu, il s'est blessé aussitôt. Tu vois, ça fait à peu près le même chemin pour les deux là. Mais c'est vrai que CM Punk, voilà, contrairement à Cody Rhodes, il y a 10 ans d'écart. Hein. Et CM Punk, il se blesse aussi à la AEW au final. Donc, est-ce qu'il peut encore catcher là, aujourd'hui CM Punk? C'est vrai que c'est une vraie question en vrai. Ouais, ben, il y a beaucoup de gens justement qui posaient cette question-là sur les réseaux sociaux. Est-ce que le corps de CM Punk est encore capable de le faire? Tu sais, je pense que le problème, oui, il y a le facteur d'âge, mais le pire problème là-dedans, c'est le facteur d'absence. Tu sais, parce que pendant 10 ans, ben, il n'a rien fait de son corps, là, on va se le dire. Donc là, prendre des chocs du jour au lendemain avec un 10 ans à presque juste rester dans son sofa, c'est sûr que ça n'avait pas du bien. Le pire, c'est que ça a se blesser... Pendant le Royal Rumble, je pense que c'est quand même très rare. T'avais AJ Styles qui s'était blessé sur le Spear d'Edge, hein, Adam Copeland. Mais se blesser au Rumble, c'est tellement rare parce qu'au final, tu catches pas dans un Royal Rumble. Exact, mais c'est pour ça que c'est tu catches pas réellement, quoi. Tu fais pas un vrai match. À part à la fin avec Cody Rhodes, si c'était blessé pendant la partie avec Cody Rhodes, ok. Mais là, il s'est blessé sur un DDT de Drew McIntyre. C'est le Future Shock. Ouais. Future Shock. Ça s'appelle comme ça. Merci de m'apporter les noms de prise, mec. C'est Future Shock. C'est un régal. Donc blessé par la personne qu'il déteste. Est-ce que Drew McIntyre l'a volontairement blessé? Et ça qui est fou, c'est que... dans un épisode de Dark Side of the Ring en 2034, les amis. Mais ça qui est fou, c'est que ça apporte encore un plus à... Ah, merci, Mario. Ça ajoute un plus à l'histoire, même si, bah, du coup, évidemment, c'est faux, évidemment. Enfin, j'imagine que Drew McIntyre n'a pas fait exprès, évidemment. Après, on n'est pas catcheur, moi je sais pas. Il y a plein de gens sur Twitter qui disent oh, oui, c'est de sa faute, c'est pas de sa faute et tout. En réalité, on ne sait pas. Vu qu'on n'est pas catcheur, c'est un peu compliqué de dire là, sur ce moment-là. Non, mais ça reste qu'on est à la WWE. Même si t'es ailleurs, qui va volontairement blesser quelqu'un? Puis en plus, qu'il laisserait apparaître à Raw le lendemain alors qu'il a volontairement blessé quelqu'un. Tu sais, non. C'est sûr que c'est pas volontaire, mais ça viendrait avec des conséquences si c'était volontaire. Surtout que les professionnels en coulisses, ils savent si c'est volontaire ou non. Ouais. Oui.
Non, rien, je veux dire que ça paraît, enfin, on l'a même pas vu pendant le show. Et c'est un peu qu'au final, il l'a bien caché, quoi, pendant le Rumble. Ouais, bah encore une fois, tu l'as dit, c'est un Royal Rumble match. Tu sais, je veux dire, dans ouais, le mais sens après, il y a quand même le 1v1 avec Cody Rhodes, où là, bah, quand t'es blessé, quand même, c'est un peu chiant, quoi. Ouais, mais peut-être ça expliquerait aussi pourquoi la fin de match était aussi molle. Tu sais, je veux dire, à la fin de match, on trouvait qu'il était longué, qu'il se passait pas grand-chose. Ben peut-être c'est à cause de ça aussi. Là. C'était... Ils ont voulu nous faire une Gunther Cody Rhodes. L'année dernière, c'était pareil. Le Gunther Cody Rhodes, le final, il avait duré longtemps, mais c'était beaucoup plus dynamique avec Gunther. Et là, avec Punk, on pensait que ça durait des plombes. On avait hâte que ça se termine. Personnellement, quand je l'ai vu, moi, j'avais hâte que ça se termine. Et je voyais Punk qui était plus là, comme l'a dit Antoine. C'est vrai que c'était un supplice, on avait l'impression, pour Punk. Mais... qu'est-ce que ça dit dans le chat ? Avec un éthique qui l'aurait blessé. Bah en tout cas, c'est cette vidéo qui ressort, en tout cas. Ça aurait d'être ça, non? Ils ont pas annoncé le match. Que... Okay. Non, mais parce que quand la nouvelle est sortie, ben, directement, ben, les sources disaient que c'était sur un DDT de Drew McIntyre. Puis c'est à ce moment-là, ben, c'est là que justement, qui roule pour quitter le ring en se tenant le bras. Ouais, et ensuite, il y a une vidéo où on voit certains en train de parler avec l'arbitre. Exact. Hein. Ouais. Exact. Donc c'est pour ça que les gens pensent que c'est cette prise-là, ce qui serait logique. T'sais, parce que le Future Shock, ben, vous voyez sur la vidéo, ben, c'est un DDT, oui, mais c'est un DDT en tenant les bras. T'sais, vous le voyez là, ben, sur l'extrait que Mathias montrait plus tôt. Ouais. Donc peut-être que la pression. Exact, le bras est resté pris avec la pression, clac, ça s'est déchiré. Mais en tout cas, est-ce que c'est pas genre la première fois depuis genre plusieurs années, de très longues années, où on est à 31 janvier 2024? Moi, personnellement, là, à l'heure actuelle, j'en ai aucune idée du main event de WrestleMania 40. Le 30, ouais, on connaît. J'en ai vraiment aucune idée. Est-ce que vous le savez là ou pas? Genre là, samedi, j'étais en mode quasi sûr et tout. Là, entre Cody Rhodes qui remporte le Rumble, CM Punk qui se blesse, je n'y comprends plus rien. Ben moi, je trouve que depuis que WrestleMania est sur deux jours, je suis plus capable de pronostiquer les main events de WrestleMania. T'sais, parce que c'est quoi un main event de WrestleMania? C'est samedi ou dimanche? C'est ça aussi, là. Non, mais les deux, après. Non, mais. De toute façon, pour le moment, là, dimanche, c'est Roman Reigns, et samedi, c'est soit les catcheuses, soit Seth Rollins, soit les tags. Non, mais c'est pour ça que je trouve que depuis que WrestleMania est sur deux jours, c'est très difficile de prévoir le main event de WrestleMania à cause de ça. Je veux dire, ça laisse tellement de place pour n'importe quoi, entre guillemets, que ça peut être n'importe quoi. Mais là, du coup, ça remet tout en jeu. Franchement, moi, là, je suis perdu entre The Rock, Cody Rhodes et tout. Là, moi, je sais pas du tout ce qu'ils vont faire. Là. Ben moi, je trouve que qu'est-ce qu'on a vu à Raw, c'est qu'on va avoir Cody contre Seth Rollins, puis The Rock contre Roman Reigns. Avec ce qu'on a vu à Raw, ben Seth Rollins qui a remis en question la décision ben, de Cody Rhodes en disant, veux-tu affronter un réel champion ou tu vas affronter un faux champion? Segment incroyable. J'avoue qu'il a sorti les arguments, Seth Rollins. Il a sorti des arguments, mais... Bon. Enfin, on sait tous que... En fait, ça serait finir l'histoire de Cody Rhodes... C'est pas possible de le faire contre Seth Rollins. Attends, Seth Rollins, il l'a déjà battu 3 fois. Il a pas besoin de finir l'histoire contre Seth Rollins. Et Seth Rollins, il a jamais gagné contre. Enfin, il a jamais remporté le titre contre Roman Reigns. Donc, le vrai mec à vaincre, c'est Roman Reigns. Non, mais son histoire, c'est pas de battre Roman Reigns, c'est d'être champion au WWE mondial. Oui, mais bon, il a déjà affronté l'année dernière Roman Reigns et il a échoué. T'imagines bien que. Ah ben j'imagine, mais tu sais, ça je dis ça à cause de la blessure de CM Punk. Ouais, si CM Punk était pas blessé, c'était clair que c'était CM Punk contre Seth Rollins. Ah, on se posait même pas la question. Mais là, avec la blessure, j'ai vraiment l'impression qu'ils vont peut-être changer ça. Mais en tout cas, la promo de lundi, franchement, très très belle hein, de Seth Rollins. Ben oui, tu sais, parce que là si mettons demain, mais Cody là, choisit Roman Reigns. Il va y avoir des gens amers de cette décision-là ben, qui vont dire vraiment ben il prend le choix, il affronte le faux champion. Tu sais. Moi, le main event, aucun débat. Cody contre Reigns, et si ce n'est pas le cas que nous refuse The Rock, j'adore la DW. Ah ben mec, prépare-toi à arrêter alors. Prépare-toi à arrêter. Non, franchement, moi je crois encore plus à mon histoire de Cody Rhodes contre Roman Reigns en Elimination Chamber et The Rock contre Roman Reigns à WrestleMania.
Fait que là, t'es en train de dire que Cody va encaisser son match de War Rumble à Elimination Chamber alors que c'est pas ça la stipulation? Ben, c'est vrai que c'est bizarre, mais bon, que veux-tu? Après, Elimination Chamber, ouais. <c'est... rire> Mais attends, Elimination Chamber, on n'est pas dans une arène de 10 000 places. Attends, c'est quand même un gros show dans un stade. C'est pas... Attends, ils vont quand même mettre un main event potable. Et surtout que Punk, il avait été annoncé pour Perth. Mais avec sa blessure, donc ouais. C'est mort, donc il va leur falloir une grosse tête d'affiche. Déjà Cody Rhodes, il y sera, c'est sûr. Et s'ils mettent du Roman Reigns, moi je serais pas contre que Reigns défende son titre dans l'Elimination Chamber, tu vois. Pourquoi possible, pas. Il est pas prévu pour le show de toute façon. Mais avec la blessure de Punk, c'est possible que les changements soient effectués. Après, pour The Rock, si The Rock ne peut pas être présent à WrestleMania, c'est Cody Rhodes contre ah oui, ça c'est sûr. Contre Roman Reigns. The Rock. Attends, okay. Cody Rhodes contre The Rock, t'as dit? Et il s'est mute. Parfait. On est perdu. Ah, il s'est cassé du vocal. Parfait. On n'aura pas la fin. Mais il a dit Cody Rhodes, mais contre The Rock. Mais pour Roi Samia, il a dit? Oui, mais Jim Chamber. Mais il a fumé quoi? Puis il a fumé quoi? Mais après, c'est vrai que. T'as fumé quoi? Mais pour dire qu'elle gagne du Royal Rumble. Oui, attends, je sais pas, écoute, je suis perdu. Mais en tout cas, Yem nous rappelle que Cody Rhodes sera à SmackDown ce vendredi. Oui, il va avoir un face-à-face avec Roman Reigns. Je présume qu'il va avoir une discussion entre les deux. Justement, peut-être que Roman Reigns va sortir des arguments pour dire pourquoi il devrait l'affronter. Puis c'est ça. Mais donc, en tout cas, j'aime beaucoup que le fait qu'on soit après le Rumble, parce que généralement, au Raw d'après le Rumble, on sait déjà qui affronte qui, tu vois. Et c'est trop chiant parce que dans ce cas-là, tu dois attendre genre 8 semaines en sachant qui affronte qui, tu vois. Alors que là, je trouve qu'il y a un vrai suspense et tout, hein, franchement. Moi, je comprends. Là, franchement, je suis perdu de ouf. Ah ben, c'est ça mais qui c'est est c'est trop bien, c'est trop excitant. C'est sûr que ça va se confirmer d'ici les deux prochaines semaines parce que ça reste qu'il y a une carte à construire pour Elimination Chamber. Fait qu'il va falloir quand même qu'il y ait des décisions qui se prennent ces deux prochaines semaines. Mais c'est cool. Bailey, elle va affronter Io Sky en tout cas. Oui, bon là, pour le coup, il y a un peu moins de suspense, c'est vrai. Bailey, donc, qui a remporté également le Royal Rumble de son côté et qui risque d'affronter Io Sky. Ça fait une belle histoire. J'ai jamais été un énorme fan de Bailey, mais c'est vrai que se dire qu'elle n'a jamais gagné de Royal Rumble, qu'elle n'a jamais eu de match 1v1 à WrestleMania, c'est assez compliqué. Et donc... Et donc l'avoir à cette position-là, c'est cool pour elle. Et en plus, le match aussi, l'affiche, avec toute la rivalité, enfin toute l'histoire derrière, c'est pas mal avec tout ce que ça peut donner Damage Control. Au début, c'est vrai que Damage Control avait beaucoup de mal, et ils ont réussi avec le temps, comme quoi, faut pas abandonner dans la vie. Silencieux. Voilà, écoutez John Cena. Ça a Karen Cross. Il faut pas qu'il abandonne aussi. Oui, son groupe. Oui, c'est vrai que bah lui, okay. Lui c'est ça va être compliqué lui, mais il faut pas abandonner. L'année prochaine, il gagne le Royal Rumble match. Allez, on part sur ça. Okay. John Cena a déjà encaissé son match du Rumble hors WrestleMania en 2008. Jurta. Non. Jurta demande à la réception. J'ai pas entendu. Est-ce que John Cena a encaissé son Royal Rumble match en 2008 hors de WrestleMania? John Cena, alors 2008, il faut se resituer. Ouais, vas-y, il a fait son retour. Ouais. Donc de blessure. Ouais. Et à WrestleMania. Mais John Cena, bah si, il affronte Triple H et Randy Orton à WrestleMania. Ouais, c'est Triple Threat. Bah ouais. Bien sûr qu'il est gentil. Si c'était à Raw. AM, il dit que peut-être c'était à No Way Out. Mathieu, il dit que c'était à Raw. Non, non, mais ça, à WrestleMania, c'est. C'est une réalité. D'ailleurs, en parlant de Rumble 2008, aujourd'hui, le Rumble 2008, tout le monde dit que c'était incroyable et tout. En réalité, le match est quand même assez merdique et tout ce dont on se rappelle, c'est le retour de John Cena. Moi, c'est une transition incroyable. Est-ce que, du coup, avec toutes les critiques de Rumble, j'ai une question à vous poser. C'est quoi la recette d'un Rumble parfait? Ben, c'est ça, mais ça prend une surprise. Une énorme surprise, du coup. Ben, une énorme surprise. Ben, c'est pas juste d'être une énorme, mais ça prend une surprise. Mais dans le masculin, c'était quoi les surprises à part Sami Zayn? T'as eu Sami Zayn, c'est vrai qu'on l'a pas noté, mais t'as eu Andrade également. Ouais, non, mais c'était deux seules surprises. Le féminin, donc t'as Jordynne Grace qui, pour les yeux du grand public,
c'est pas ouf, mais pour le clin d'œil aux fans, c'est pas mal. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus historique parce que c'est vrai que c'est pas la première fois que. Bah, par exemple, il y a eu Mickie James il y a 2 ans, mais Mickie James, c'est une légende WWE, c'est pas la même chose. Là, c'est un nom inconnu auprès du public WWE, donc c'est. Genre WWE, tu vois, ils peuvent très bien être en mode, on n'a enfin, pas besoin de ça, tu vois. Tout comme ça fait 30 ans qu'ils font ça. Elle était championne de Knockout à l'époque, ouais. Mickie James. Elle était revenue, mais je suis d'accord avec toi. Là, c'est vraiment Jordynne Grace. En plus, vu la transformation physique de Jordynne Grace, sur le ring, elle était excellente à l'époque, avant sa transformation physique. Mais au fil des années, elle a eu cette transformation exceptionnelle. Et c'était sûr que Papa H avait un œil sur elle. Et il paraîtrait que c'est lui qui a décidé vraiment de la faire venir. Triple H, il est un peu comme Vince. Il adore les personnes voilà, qui sont quand même physiquement impressionnantes, quoi, comme Jade Cargill ou comme Jordynne Grace et tout. Mais il aime aussi... Tu peux arrêter de manger ton micro, s'il te plaît? Non, mais je... La consistance in-ring. mais tu sais, là, mais, tu sais, on parle à des surprises. Là. Tu sais, tu nommes Andrade. Si Andrade n'est pas aussi notable, c'est parce que c'est une mauvaise gestion des entrées. Tu sais, si tu prends le même retour à Andrade, mais tu le fous en 29e ou 30e, je pense que l'impact aurait été meilleur. Ah. Parce que là, en mettant du Andrade en plein milieu du match, tu sais, ceux qui sont en plein milieu du match, habituellement, c'est toujours les bouche-trous du match. Oui, les mid-card d'or, hein. Ben c'est ça, donc là, tu sais, envoyer Andrade qui débarque un peu comme ça, tu dis, bon, c'est sûr qu'il va pas se rendre à la fin. Tu sais, est-ce que ça aurait plus d'impact de l'envoyer à la fin comme si c'était une grosse surprise? Peut-être, oui. Mais en tout cas, voilà, je tiens quand même à dire que on n'a pas eu le pire Rumble des tours, il n'était pas incroyable. Mais on a quand même eu des surprises. Et je tiens quand même à le dire parce que c'est vrai que beaucoup de gens disent vraiment que c'était le pire Rumble de l'histoire et tout. Mais franchement, c'était pas non plus. C'était pas très mauvais non plus. Attention, on a eu quand même des petites surprises, des petits spots sympas. La save de Kairi Sane. Alors, déjà, je me demande si c'est une save exprès, celle de Kairi Sane. Vous savez, quand elle se rattrape à Spider-Man. Ouais, exactement. Oui. J'essaie de trouver une image. Je pense qu'il doit en avoir une. Mais c'est une save, mais juste derrière, elle se fait mier. Donc je me demande si c'est fait exprès ou pas, cette save, ou si c'est comme ça sur le moment, let's go. Le pire, c'est le 2022 pour moi. Oui, non, mais il y a eu pire. Même le 2022, il y a eu pire, je pense, honnêtement. Mais j'arrive pas à trouver l'image. J'aimerais quand même vous la montrer, cette image. Cette save, elle est incroyable. Mais c'est ça! C'est ça, sur Duck War Rumble, c'est comme la 10e image. Mais oui, mais c'est ça, mais comme dit mais Firefly, là, il aurait dû mettre Andrade à la place de Ricochet. Ça, c'est un bon exemple. T'sais, je veux dire, pourquoi mettre Ricochet en 28e comme si c'est une star qui se pointe? Non, mais c'est... Ouais, j'ai souvenir, il y en a qui disent que Triple H, il book bien, mais Rumble, c'est pas ouf. Peut-être le cas, en vrai. Mais c'est vrai qu'attends, il faut pas oublier que Triple H, attends, alors il a beau avoir 30 ans dans les pattes et tout, tu vois, au côté de Vince et tout, il a appris auprès des meilleurs. Mais bon, c'est quand même ses premières années, tu vois, aussi. Donc, il y a des erreurs, évidemment. C'est vrai que pour l'instant, il fait pas les meilleurs Rumble de l'histoire. Mais il fait pas non plus les pires, je pense, hein, très honnêtement. Et le fait qu'on ait une porte interdite, c'est bien. Franchement, c'est bon signe pour le futur. Et évidemment, ils vont pas faire un show Forbidden Door cette année, mais avec le Rumble, c'est vraiment l'endroit où tu peux avoir ce genre de surprise. Et donc cette année, t'as Jordynne Grace. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait genre une catcheuse, un catcheur Forbidden Door, tu vois. Pas plus, tu vois, juste un partout, c'est bien. Et voilà, pour faire un petit clin d'œil aux fans, tu vois. Évidemment, le grand public va s'en battre les couilles de Jordynne Grace ou ce genre de nom, tu vois. Pour eux, ce sera des genre comme les no-names de NXT qui arrivent, ils vont pas les connaître, et voilà. Mais pour le clin d'œil des fans, auprès des fans, c'est cool. Un truc qui m'a régalé toute la soirée. Ouais, c'était drôle, même Pat McAfee qui fait son segment. C'est, il en faut de ce genre de moments, en réalité. C'est des moments qui sont... Pat McAfee, il a pris la place de personne. Je vous le dis, il a pris la place de personne. C'est juste, il faut ce genre de moment, il a été choisi, voilà, prend. En fait, il a pris la place de Kevin Patrick sur papier. Oui, auprès. À la table des commentaires. Mais c'est vrai que pour le coup, ils l'ont viré pour prendre Pat McAfee, du coup.
Ouais, c'est Brand Breaker qui a eu le spot de Lesnar. Ça, c'est fou comme cette histoire. Attends, Lesnar, il est pas là. Ils se sont dit, tiens, on va rayer le nom de Brock Lesnar, on va mettre Brand Breaker à la place, on va quand même tout lui donner. Apparemment, il a eu la même entrée, la même position d'entrée, les émulations ouais. qu'il aurait dû avoir, le même face-à-face. Mais c'est vrai qu'on s'était rendu compte en live. Le face-à-face, ouais, almost Brand Breaker, ça n'avait aucun sens. Ouais, ben, même les éliminations qu'il faisait, tu sais, c'était du Jimmy Uso, tu sais, confrontation contre le Judgment Day. Ouais, c'est dingue quand même, c'est vraiment dingue. Cette histoire. Oui, c'était du sérieux, tu sais. Habituellement, les catcheurs de NXT, ils font pas grand chose, tu sais, parce que c'est des jeunes peu connus, mais là, c'était clair et net, là. Le gars, il rivalisait comme si c'était Brock Lesnar sur un ring, là. Donc, voilà. Et après, il y a eu quoi d'autre comme surprise? T'as eu. T'as Liv Morgan qui a effectué son retour également? Ouais. D'ailleurs, il y a le face-à-face, il y a le. Je crois que je l'ai. Il y a pas le face-à-face, qu'est-ce que je raconte, l'image qui a beaucoup tourné sur les réseaux avec toutes les catcheuses devant la barricade. Bam. Et Morgan, Jack Cargill, on n'en a pas parlé. Tiffany Stratton et Bianca Belair. D'ailleurs, apparemment, Tiffany Stratton, je vous en parlais lors du Rumble, les amis. Je vous en parlais, hein. Dans moins de 5 ans, a fait le main event de WrestleMania. Que ce soit le main event de la deuxième nuit ou la première. Bon, je crois plus à la première que à la deuxième, mais... Mais je vous le dis, hein, et je me répéterai pendant toute l'année. Sachez-le. Non, mais je comprends pas pourquoi tu dis ça alors que tu regardes pas NXT. Je regarde NXT, mon ouais. fou. Tous ceux qui regardent NXT connaissent ça. Oui. Puis savent que dire ça, c'est irréaliste. Quoi? Non, oui. Du tout de moi. Depuis le début, j'ai l'œil. Stratton, on le disait avec Antoine, qu'elle, c'est le futur, on le savait dès le début. Mais là, Antoine vient de dire le contraire. Non, mais de dire que c'est. Non, mais. Non, mais c'est que il ça marche pas quand même. Non, mais au point de dire qu'elle soit au main event, non, mais en tout cas, on verra, mais je te dis, pour moi, depuis que je regarde NXT, et même avant quand je la voyais dans les extraits et tout, lors des pay-per-view, elle a quelque chose d'unique. Donc si elle fait pas si elle prend pas un virage à 90 degrés dans sa carrière, elle c'est le futur de la WWE dans la division féminine. Je vous le dis. C'est sûr qu'il y a encore du boulot au niveau du à NXT, c'est plus facile de s'imposer que dans le main roster. Dans le main roster, il lui manquera peut-être un peu de personnalité, mais bon, ça va se travailler ça petit à petit. Mais ce qu'elle a fait sur le ring en arrivant, elle a même été limite meilleure que certaines catcheuses qui sont là depuis un petit moment dans le main roster, tu vois. Donc c'est très très beau. Mais ouais, Stratton, elle sera à suivre, c'est sûr. Mais pour une première fois comme ça, ouais, vraiment, elle fait partie des tops. Même Jade Cargill, ce qu'elle a fait, ben, elle a très bien fait. Elle a très bien fait et je comprends pourquoi ils l'ont gardé un petit moment. Jade Cargill, elle a eu les meilleurs débuts possibles dans ce qu'ils pouvaient faire avec elle. À partir du moment où elle a entendu sa musique, son entrée. La musique, ils ont gardé. C'est légal de refaire le même début? Non, mais c'est un remix. Après, on ne sait pas, peut-être qu'ils ont payé l'auteur, je ne sais pas. Peut-être pas comment ça se passe, ce genre de truc. Après, quand tu as Cody Rhodes dans la team, c'est plus facile de négocier avec la UW, je pense. Mais c'est, je ne sais pas qui a fait la musique de Jade Cargill. Mais ça doit être la UW, non? Oui, je pense que oui. C'est bizarre, c'est ça. Bref, on s'en fout. Mais c'est pas mais c'est pas la même que celle de la EW, mais juste l'intro. Oui, l'intro, c'est juste la même direct. Intro, quoi. Ouais. Ouais, mais elle a eu une grosse pop, je crois que c'est l'une des plus grosses pop de la soirée. Elle fait partie du top 5, Jade Cargill. Mais donc, et lorsqu'elle est venue sur le ring et confrontée Nia Jax, ça a été la meilleure chose à faire. Tu mets celle qui est le plus suée face à Jade Cargill, qui, physiquement parlant, est un monstre. Et même le premier combat. Le premier combat de Cargill, si c'est pas WrestleMania, tu le mets comme Nia Jax, par exemple à Elimination Chamber. Après Elimination Chamber, ça serait pas mal d'avoir un Chamber, en fait. Jade Cargill qui établit un record en éliminant tout le monde, un peu comme ce qu'ils avaient fait à l'époque avec Shayna Baszler, quand elle a éliminé tout le monde. Là, tu le fais avec Jade Cargill, après ses débuts au Royal Rumble, ça serait pas mal. Mais bon, après, pour le Chamber, si tu le gagnes, souvent... C'est soit pour devenir championne, soit pour avoir une place en tant qu'aspirante à WrestleMania. Donc, à voir. Mais en tout cas, moi, j'ai bien aimé ses débuts.
C'était sans fioriture, elle a fait ce qu'il fallait faire. Le face à face avec Bianca Bella également, que tout le monde voulait voir, donc ça régale. Ouais. Non, franchement, il s'est passé des choses dans ce féminin et dans ce match féminin. Et d'ailleurs, le match masculin commence avec Jamyzo contre Jay, là. Je m'attendais à un plus gros truc, ouais, c'est rien passé. Enfin, genre, ils ont fait les deux, un et deux, et puis, enfin... Oui, non, mais on peut faire face à face. Allez, voilà. C'était sûr. À partir du moment où il y avait Lende Uso qui était en premier, ou à partir du moment où ça a été annoncé, on savait que ce serait son frère en deuxième, parce que c'est historique quand même, deux frères qui rentrent premier et deuxième du Rumble. Je pense pas que ça a été déjà fait. C'est vrai, ça. Que ce soit avec Jeff ou Matt, qu'ils soient rentrés en premier. Donc là, c'est historique. Et peut-être à WrestleMania, on aura ce match-là entre les deux. Peut-être pour un titre, si jamais... Mais bon, Gunther, je pense qu'il va garder le titre un petit moment. Là, ça fait 600 jours aujourd'hui, je crois, qu'il est champion. Quand tu regardes ses palmarès, c'est incroyable. Les titres, il les garde toujours plus de 500 jours à chaque fois, 400-500 jours. Ouais. Donc c'est vraiment incroyable. Et en plus, on peut rebondir sur le match qu'il a eu à Raw. Très bon match contre Kofi Kingston. Et ce qui est fou, c'est que il a l'air tellement intouchable, mais lorsqu'il affronte ses adversaires aussi ont du répondant comme Kofi Kingston, et on y croit pour l'adversaire. Pour Kofi, on y croyait lundi, tellement le match était vraiment bon, et on avait oublié à quel point Kofi Kingston pouvait être un très bon outsider comme ça. Donc c'est Je peux être aigri 3 secondes ou pas hein? L'un des meilleurs règnes. Comment? Je peux être aigri 3 secondes Vas-y. Le New Day, quand ils sont pas 3, ça me fait chier. Ben moi, quand j'ai vu que Imperium venait attaquer le New Day, je me suis dit peut-être que Big E va arriver. Et c'est peut-être Big E qui va battre Gunther. C'est vrai que cette rivalité New Day contre Imperium, peut-être c'est pour un prochain retour de Big E, peut-être. Mais en tout cas... Et pour le titre Intercontinental, ce serait beau aussi, c'est Big E. Je sais pas, en fait, je vois juste deux membres du New Day... Ça me saoule, et je crois que on a ça avant même la blessure de Biggie. On a vu ça parce que je sais plus qui était blessé avant. Je crois que c'était pas Kofi Kingston. Xavier Woods. Ils s'enchaînent les blessures. Bon, Biggie c'était bien plus grave, évidemment. Mais je sais pas, le New Day ça me fait chier. En fait, j'ai l'impression que ça pas les bouquets quand ils sont pas trois, donc c'est un peu chiant. Voilà, juste en fait. Y a plus, ils sont plus dans les titres par équipe, tu vois. Des matchs d'aspirants au titre et tout, ils les obtiennent pas. Et c'est vite saoulant quand c'est que Xavier Woods et Kofi, parce qu'on en a mangé pendant un long moment. Et donc, ça devient redondant, tu vois. Oui, c'est comme tu dis, Arrow, il se faisait tellement attaquer longtemps à 3 contre 2, mais que moi aussi, là, j'étais prêt. Là, j'avais déjà écrit le titre. Biggie revient à la WWE. Je veux dire, l'article était prêt sur Catch News, mais finalement, il n'est jamais venu. Bon. Ouais, ils l'ont pas fait. Et en plus, ça t'a mal duré battre... longtemps. Il fallait que ça se produise, fait que peut-être bientôt. C'est vrai. Et pour battre Gunther, perso, ce serait magnifique pour Biggie, vraiment, un retour de blessure. Et en plus, c'est un mastodonte, tu vois. Donc, c'est crédible. Séparation du Day serait pas préférable. Ils veulent pas se séparer, je les comprends totalement, frère, quand tu. Attends, quand tu travailles autant de temps avec ensemble et que tu t'es tellement pote et tout. Ils ont séparé les Ousso, déjà. Ouais, non, de toute façon, tu sais, des fois, pendant les cycles, il y a des séparations non officielles. Par exemple, deux membres du New Day sont à SmackDown, puis l'autre est à Raw. Fait que des fois, ils sont sans l'aide. Tu sais, c'est ça qui était avec Biggie soit blessé. Là. Biggie est à Raw, puis le reste était à SmackDown. Je me trompe pas, le contraire. Mais donc c'est des séparations non officielles parce qu'ils veulent rester ensemble. Fait qu'en attendant, c'est la seule solution. Pour le New Day, je préfère ça, perso. Le New Day, je préfère ça qu'une trahison. Ça fait tellement longtemps qu'ils sont ensemble. Je dis, limite, il faut que ça reste comme ça jusqu'à la fin de l'existence. T'sais. Ouais, c'est vrai. Parce que la valeur ajoutée d'une rivalité Xavier Woods Kingston ou Xavier Woods Big E, il n'y en a aucune, tu vois. Pour moi, perso, mon rêve, c'est pas de les voir s'affronter, hein, les trois. Moi, perso, si ça reste en équipe comme ça, où un est drafté, l'autre non, l'autre fait sa vie. Par exemple, Big E, il avait fait sa vie, il était devenu champion et tout, tu vois. Et pourtant, il était toujours avec Kingston et Woods. Donc, c'était pas gênant.
Enfin, il y avait une question là qui était intéressante tout à l'heure, mais du coup, Brock Lesnar, il devait affronter Dundam et Mason Chamber, mais est-ce qu'ils vont donner la feu à Bron Breakker? Parce qu'on parlait de ça tout à l'heure. C'est vrai que la rumeur dit que Brock Lesnar devait affronter Dominic Mysterio et Mason Chamber. Et du coup, apparemment, c'est Bron Breakker qui va prendre sa place, parce qu'en plus, il a dit qu'il n'avait pas fini avec le jugement d'Aïe, mais il n'était pas là à Raw, après. Non, mais tu sais, mais notre ami, mais Bron Breakker, là, je veux dire, ce samedi, il va être à NXT Vengeance Day, ça va être la finale du tournoi. Ah oui, t'as le pay-per-view, c'est vrai. Ça va être la finale du tournoi de Dusty Rhodes classique, qui est en équipe avec Baron Corbin, votre catcheur local, contre Trick Williams et Carmelo Hayes. Oui. Donc, je crois que quand cette rivalité-là va être terminée, ben là, on va pouvoir dire est-ce qu'il va venir ou non. C'est vrai puis oui, mais comme disait Yann aussi, Il a appelé Nicaldis. Ouais, donc ça sera SmackDown, du coup. Oui, exact. Et en parlant de SmackDown, donc apparemment, t'as Naomi qui reste SmackDown également. Et... Parce que s'il va à SmackDown, ben c'est étrange. Là. Parce que ça veut dire que le plan, ben Dominic Mysterio, il s'arrête là. Ouais, c'était juste pour remplacer Lesnar au Rumble. Et après, il voit ensuite pour ça, de la ce qui se passe après. Vraiment, tant quand t'es ta vie de catcher WWE, c'est n'importe quoi. Genre, pendant la même semaine, t'as rien de prévu pour le samedi. Et là, boum, t'es appelé pour participer à l'un des plus gros shows de WWE de l'année. T'sais. Après, Breakker, il y avait des rumeurs qui disaient qu'il allait quand même participer, même s'il n'y avait pas Lesnar. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils lui ont donné, si jamais c'était Lesnar qui devait faire ce qu'il avait fait, il l'a fait et il a eu un plus gros impact que peut-être qu'il devait faire auparavant. Donc là, c'est encore mieux. En plus, à la fin, il te fait un spear où il te découpe McDonald's. C'est magnifique pour Breakker. Moi, je veux revoir Naomi. Bah, alors, frérot, t'as pas bien regardé le Rumble, là, mon ref. En fait, Naomi était là. Non, mais sur AB1, je pense qu'ils ont coupé la deuxième entrée. Ouais, peut-être. T'as peut-être une pub, je ne sais pas. Oui, mais apparemment, donc, elle sera à SmackDown, Naomi. Donc, à voir ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle va peut-être intégrer la Bloodline? À voir. On n'a jamais eu quelque chose de la Bloodline. Moi, j'aurais bien aimé en avoir une un jour, mais. Je pense qu'on aurait. Je pense c'est un peu la fin de la Bloodline. Oui, là, c'est la fin, je pense. Ça, Cody Rhodes va mettre fin à l'histoire. Là. Il va terminer son histoire. Et Jade Cargill, est-ce qu'on a des rumeurs sur là où elle va aller ou pas? Non, mais il y a absolument rien pour l'instant. Comme depuis qu'il est signé, là, on sait rien sur elle. Okay. C'est ça qui est assez bizarre. On va peut-être la revoir en août, alors. Oui, non, mais c'est. Ouais. Peut-être, à voir. Bref. Voilà donc pour ce qui est du Royal Rumble, ouais. Tu sais, parce qu'à Raw, le seul moment où ils ont parlé de Jade Cargill, c'est pour montrer ses meilleurs moments au Royal Rumble match, puis ils n'ont rien laissé sous-entendre ouais, sur le futur, donc... Jade Cargill à SmackDown, ouais, mais elle fait quoi à SmackDown? Il n'y a pas de place à SmackDown, là. Ouais, mais à SmackDown, tu t'en vas, mais Naomi puis Jade, je trouve que ça commence à être compliqué, alors qu'à Raw, souvent, on se plaint et qu'il manque de gens. Ouais, Raw, c'est mieux, parce qu'en plus, SmackDown, si t'as Bayley contre Oscar et WrestleMania, donc tu l'envoies pas pour un titre mondial, enfin, pour un titre. Parce qu'on verra. Tu fais quoi ce matin? Tu fais rien? Elle a re-signé. Mais ouais, bien sûr, elle a re-signé. Ah oui, c'était pas un one-shot, hein, elle a re-signé. Et il y a Chelsea Green aussi qui a fait du bon taf au Rumble. Oui. Chelsea Green. Non, mais le Rumble féminin est vraiment excellent. Moi, pour moi, dans mon livre, c'est vraiment le meilleur Rumble féminin de l'histoire qu'on a eu là. De l'histoire. Oui. Tous les Rumbles féminins sont. En fait, chaque année, j'ai l'impression que le niveau augmente. Parce qu'évidemment, l'évolution de la division féminine évolue. Oula, l'évolution évolue. Oulolo. La division féminine de la WWE évolue chaque année. Donc, chaque année, on a de meilleurs Rumble féminins parce que, bah, évidemment, il y a plus de star power et tout parmi les catcheuses. Et pourtant, dans le Rumble, cette année, tu n'avais pas Rhea Ripley, tu n'avais pas Io Sky. Toi, Io Sky qui pouvait te faire des spots de fou. T'as aussi, pas eu tant de catcheuses de NXT. T'as eu Roxanne Perez, Stephanie Stratton. C'est tout, hein, peut-être, je crois. Ouais, j'ai pas... Puis en plus, même pas de légende. Je sais qu'on a beaucoup parlé ça, en live. Ça, oui, là, mais... oui, parlons-en. Pour moi, dans la recette, justement, on parlait tout à l'heure de la recette d'un Rumble parfait, il me faut au moins une légende. Ouais. Ce n'est pas d'accord. Possible. Ce n'est pas possible de faire un Rumble sans légende, les gars. Je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas ça. Pour moi, c'est le principe même d'un Rumble. Au non, moins après, une après, légende. Après, c'est bien qu'il n'y en ait pas, tu vois. Si il n'y en a pas eu. Après, moi perso, je m'en suis pas plaint parce que le Rumble était bon, mais
ils n'en ont pas eu besoin. Limite, on en aurait eu besoin d'un ou deux. Ils auraient dû appeler le Kogan pour non. le masculin, tu vois, limite. Non, ça, c'est bon, ça pas, pas le masculin, bien. Il en aurait eu besoin. Mais, le masculin. Non, mais franchement, mais je vous dis pourquoi. En fait, pour moi, les gens, Booker T l'année dernière, les légendes servent souvent à rien. Mais non, c'est pas à rien. Elles servent pas à rien, les légendes. Elles servent à mettre en avant des talents d'aujourd'hui. C'est-à-dire, elles viennent là, et il y a le moment nostalgie. Le petit moment nostalgie, voilà, c'est cool de les revoir, d'entendre la musique et tout. Elles font leur truc pendant 2-3 minutes et elles se font éliminer par un jeune d'aujourd'hui. Et comme ça, t'as une image mémorable que tout le monde va se rappeler et tout le monde va se dire, putain, c'est vrai, lui, il a éliminé celui-ci. Cette légende. C'est ça. C'est ça parce que c'est des moments marquants, souvent, justement. Donc, et après, je dis ça, mais je sais pas qui a éliminé Booker T l'année dernière. Donc. C'est Gunther. Gunther, voilà. Et je suis désolé, mais même pour moi, c'est même le principe même d'un Royal Rumble, c'est de pouvoir voir donc des retours, des débuts et des légendes. Pour moi, c'est vraiment les trois facteurs d'un Rumble. Et cette année, c'est vrai que bon, Vince, on sait déjà qu'il apprécie beaucoup, il appréciait beaucoup les légendes, mais Triple H, il a l'air de pas beaucoup les apprécier. Donc, c'est vrai que lui, il mise plutôt sur le futur et tout, c'est bien, hein, mais pour moi, une légende, c'est pas mal. En légende féminine, il n'y a plus personne. Mais tu rigoles, frérot, Lita Trish Stratus, elle a catché l'année dernière, elle peut bien catcher au Royal Rumble, non? Il y avait encore beaucoup de légendes. Oui, puis il y a eu des années mais qui nous envoyaient du jazz aussi. Oui, et celle que je ne sais jamais sa carrière, mais elle est là chaque année. Là, on ne l'a pas eu cette année, ça s'appelle... Oli Oli Moli Oli. Oui. Elle était au lit, je pense, à cette heure-là. C'est pour ça qu'elle n'est pas venue. Elle a pris un mot, ils ont dit bon lit, au lit. Elle est partie au lit. Donc, ouais, l'année dernière, t'avais, Candice. Hillary, oui. Non, Candice Michel. Justement, j'ai bugué, genre dans ma tête, j'étais en mode attends, c'est qui. Enfin bref, pour moi, c'est essentiel d'avoir au moins une légende par Rumble. Au moins une, quoi. C'est la femme de l'Undertaker, Michelle McCool. Oui, Michelle McCool, putain. Ouais, le P, c'est qu'il était là. Vu que son mari fait le Undertaker Show, là. Donc, le Deadman Show. Pourquoi pas, ils auraient pu l'utiliser. Ouais, c'est vrai, c'est vrai qu'ils sont... Maryse, oui, c'était non, t'as beaucoup de noms. C'était la cerise sur le gâteau. Cerise sur le gâteau, ça aurait été pas mal. Triple H, il n'a pas l'air de Rumble vouloir... Rumble féminin était très bon. Oui, Rumble féminin, ouais. Très, franchement, très bon. Ouais, il a plutôt misé sur deux personnes d'NXT, plus des débuts... ouais, quand même, les légendes, tu aurais pu t'en passer parce que tu as fait venir Santina. Une porte interdite, Jordynne Grace, tu as fait venir deux d'NXT. Grace, franchement, c'est trop bien. Encore une fois, oui, on ne devrait pas être autant... Elle a été top ou pas? Pour ceux qui ne regardent pas, qui ne la connaissent pas vraiment. C'est incroyable, mais c'est. Et je pense que la fierté qu'elle doit avoir de représenter la TNA, en fait. Elle doit avoir une fierté de fou furieux. Mais c'est fou parce que. Mais on ne doit pas être autant qu'autant parce que ça devrait peut-être. Voilà, plusieurs personnes qui pensent que ça devrait être normal et c'est juste WWE qui a rendu ça très spécial parce que c'est des années qu'ils n'ont jamais fait ça, tu vois. Mais. WWE n'a pas besoin de ça, et c'est vrai que le petit clin d'œil aux fans de catch, c'est pas mal, tu vois. En plus, ce qui est beau, c'est qu'elle vient avec une tenue qui représente, c'est les couleurs de la TNA, tu vois, les nouvelles couleurs là, de la TNA. Elle vient avec la ceinture, en plus elle est magnifique, hein, la nouvelle ceinture Knockout. Tu as, et en plus, si vous remarquez bien, Michael Cole, dès le début, lorsque Naomi fait son retour, il annonce bien qu'elle a remporté le TNA Knockout Championship pendant son absence de la WWE, tu vois. Et ça, c'est la patte Triple H, le fait d'annoncer les accomplissements. C'est vrai qu'ils ont bien mentionné qu'elle s'était cassée, quoi. Ouais, elle s'était cassée pour devenir championne de la TNA et tout. Et tous ces petits détails, c'est ce qui rend le catch encore meilleur. Et là, le fait d'avoir fait venir Jordynne Grace, elle est très jeune, hein. Elle a 27 ans. Donc, lorsque son contrat va se terminer, je pense que WWE, ils ont un œil sur elle. Et c'est l'une des potentielles recrues à venir. Tu vois, c'est vraiment. En plus, elle fait de très bons matchs, hein, pour ceux qui
suivent la TNA, qui regardent ses combats, tout ça. C'est une très bonne catcheuse. Elle a le charisme. Au micro, elle est super aussi. Donc, c'est, moi, j'étais très, très content, en tout cas, pour elle et pour la TNA, pour le catch en général. Ouais. Bref, ouais, bref. Et oui, en plus, ils sont censés rappeler la réalité, Naomi. Naomi. Et c'est ce qui est beau. Elle se retrouve sur... à la TNA, logiquement, l'histoire était terminée parce que c'était les derniers matchs de Naomi. Et tu vois, le week-end d'après, elle se retrouve au Royal Rumble. Et moi, quand j'ai vu ça, j'en avais des frissons. Tu vois, tu te dis, tu te mets à leur place et tu te dis, qu'est-ce qui doit. Le cerveau doit bouillir là. C'est le cœur, le cerveau, tout ça le corps. Soit, que tout ça se soit déroulé un peu à la dernière minute. Enfin, organisé à la dernière minute. Après, il y avait des tests. Après, il y avait des tests à faire. Apparemment, c'est vraiment W qui a contacté la TNA, mais genre une semaine avant le Rumble, quoi. Genre, c'est vraiment le dernier truc auquel ils ont pensé. Pour garder la surprise. Oh, je pense pas. Je pense que c'est vraiment le dernier truc où ils voulaient penser. Oui, aussi. Et aussi pour garder la surprise. Je pense que les trucs comme ça, ils l'ont dans un coin de leur tête et ils se disent... peut-être c'est un dernier recours, mais ils l'avaient déjà dans un coin de leur tête. Ils se disent on la prévient une semaine à l'avance, comme ça elle a le temps de se préparer, de faire ci. Et de toute façon, la TNA, même tu les préviens une heure à l'avance, ils vont pas dire non parce qu'ils ont tout à gagner à la laisser participer, à la visibilité de la ceinture. Ah oui, évidemment, la TNA a tout à gagner. Hein. La TNA, ah oui, et la catcheuse même... aussi en soi. C'est ça, même 20 minutes avant, Triple H m'appelle et je lui dis t'inquiète. Vas-y, t'inquiète. J'arrive. Ah oui. MJF va tourner dans un autre film, ok, continue sa petite carrière cinématographique, le boug. Mais parenthèse, mais selon l'article, le film est déjà tourné. Ok. Et donc, ça perd d'être un gros film non plus. Mais... Donc ça va pas empêcher son retour. D'ailleurs, si des gens qui ont bientôt. Vu Aaron Crow là, depuis la semaine dernière ou pas là Non, pas encore. Moi non plus. Moi, je vais attendre qu'il soit disponible en streaming très légal, évidemment. Oh là 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 là. Mais toujours pas ok. Et pas dans mon cinéma. J'ai l'impression qu'il est pas très très dispo en France hein, dans les cinémas quand même. Le film. Pense... Bah, j'ai pas partout. J'ai pas l'impression que ça porte tout. Après, il est quand même bien dispo, hein, mais pas tout dans tous les cinémas non plus. Bon, après, ça dépend des secteurs où tu habites et tout. C'est vrai que les cinémas, ils ont pas tous. Les mêmes programmations. Logique, ouais. Ouais. Dans les grandes villes, ouais, surtout. Les amis, il y a un truc de dingue qui est sorti cette semaine. On m'a prévenu ça, c'est Mario qui m'a prévenu ça. C'est que... Ah, c'est pas Tom LaRuffa ? Oula. Non, c'est pas ça. J'ai vu une vidéo sur YouTube. Qu'est-ce que tu me racontes ? On parle de catch. Non, je voulais en parler parce que je suis tombé sur une vidéo. Toi, de lui. Moi, j'ai pas osé cliquer dessus. Moi, j'ai regardé et personnellement, c'était plus sympa que ce que j'imaginais. C'est avec un YouTuber, je crois, Tarzan. J'ai vu des vidéos de lui sur TikTok ou un truc comme ça. Mais vraiment, c'était sympa. Pour ceux qui... Je sais pas si on peut voir un extrait ou quoi. Non, mais pour, j'ai un peu la flemme. Pour mais... ceux qui veulent le regarder. Comment Jurta a chié complètement ton introduction. J'étais en pleine transition là, et là mec m'a tout niqué. Ce qui est bien, tu peux pas faire pire. Donc, si tu fais pire, c'est que vraiment, on peut rien pour toi. Tu en vois. Gros les amis, il y a un truc de dingue, c'est qu'il y a un jeu qui s'appelle, évidemment, qui veut gagner 10 millions, vous connaissez tous. J'ai vu la vidéo. Oui. Ah, parfait. Très intéressant en tout cas, vous allez pouvoir boire un café ensemble. Qui veut gagner des millions, il y a un DLC WWE qui est sorti là ce lundi, je crois. Et sur Steam. Sur Steam, ouais, c'est ça. Donc là, on l'a pris. Et j'ai envie de voir. Story l'a fait. Yes. Ah, bah c'est pour ça que Melio, c'est comme ça que tu l'as vu alors. Moi, en fait, j'ai vu que Story était en live. Ah, j'espère que t'as pas regardé son live alors. Enfin, non, j'ai rien contre Story, mais je veux pas que tu te sois spoil par là, la question. J'ai vu qu'il y avait marqué qui veut gagner des millions, spécial catch. Je suis c'est cool. Je suis allé sur Google, j'ai tapé qui veut gagner des millions, et spécial c'est sorti, catch. C'est... Et j'ai vu qu'il était dispo sur Steam. Voilà, pas j'ai juste vu ça. Bon. Non, mais il doit avoir plus que 10 questions. Je de sais toute pas façon, du tout, là, plus. Je ne sais pas du tout. Mais je me demande si c'est un partenariat ou quoi, j'en ai aucune idée. Ben, est-ce que le nom WWE est vraiment présent? Oui, bon, ben, la réponse est oui. Mais Tu peux pas utiliser le nom d'une compagnie sans avoir pris un million de contacts. Il y a très peu de DLC et WWE en fait partie, tu vois. Ouais.
Bref, du coup, bon, je me suis dit, les amis, qu'on allait pouvoir tous les trois se mettre ensemble pour essayer de gagner le million. Après, on essaye de voir en fonction si c'est simple ou pas. Je ne connais pas, je connais aucune question. Je ne sais pas du tout si c'est grand public, si c'est très, très spécialisé. Ouais, on se met ensemble et après, si c'est vraiment... qu'on essaye déjà d'avoir le million, quoi. C'est pas WWE. Ah, mais c'est comment cool, ça fonctionne? Mais... Comment ça fonctionne, ce jeu-là? Ben, je vous ai... On peut pas jouer les trois comptes, je comprends pas. Si, on peut, mais tu vas arrêter de niquer mon concept et on va se mettre ensemble, ok? Je veux pas jouer avec toi. Laisse-moi jouer avec toi, de toute façon, tu vas être nul. On essaye de gagner le million à 3 et ensuite, si on y arrive, on s'affronte, ok? Tu comprends l'idée ou pas, là? Ou tu veux niquer encore ben mon oui, concept? Ben oui, ben oui, ben oui, parce que là, mais vas-y, là, vas-y. Putain, bon, on se met en mode enfant parce que en mode normal, il y a un timer et c'est chiant. On le fait après avec le timer, hein. Parce qu'Antoine et moi, on est des adultes, on veut le mode adulte. J'ai pas sélectionné une catégorie, là. Comment on fait pour sélectionner une catégorie? Il va encore tricher, non? Attendez. Est-ce que vous entendez le... Non, vous entendez pas le jeu, là. Là, on entend. C'est où qui... C'est comment on fait pour lancer? Ah, barbac, grosse préparation ici. L'a pas testé avant? Tu vois, c'est pas... Non, tu peux enlever le timer. Ah, ok, on peut enlever le timer. Ok. Putain, je dois tout enlever. Ah, manga et tout, c'est bien ça. Bam. Alors, on va se mettre quand WWE. Ok, on va voir si c'est simple ou pas. Hein. Je... Comment on fait pour l'enlever, les amis? Je crois que là, j'ai lancé la game, je crois. Mais quel amateur! Non, vraiment. T'as-tu lancé quelque chose, Mathias, ou... J'ai lancé quoi? Non, mais le jeu avant live, ou... Ouais, regarde, j'ai lancé. Non, il vient de le lancer maintenant. Oh, c'est la gueule, sympa. Comment je fais pour rester? Ça rappelle des souvenirs, ça. I want to be a millionaire. Au Canada, ça s'appelle qui veut gagner des millions, je pense, Antoine. Non, c'est qui veut être millionnaire. Bah non, qui veut être millionnaire. Attends, il traduit ça par parler, évidemment, mec. Bon. Ah, c'est pas celui qui s'est fait virer récemment de la WWE qui présente Kevin Patrick. C'est Kevin Patrick. Je suis content qu'il ait trouvé du boulot. Okay. Hein, je m'inquiétais pour lui. Quoi? Mais c'est pas WWE, ça. C'est qui, Ravel? Ravel, c'est Boléro, je pense. C'est Boléro. Non, c'est pas du catch, c'est Boléro. C'est de la culture générale. Mais pourquoi on est une femme? Boula, bah t'as quoi contre ça? Antoine misogyne? Antoine misogyne? Ben non, mais c'est quoi ces configurations de jeu là? Ça bug, ok. Ok. T'as quoi contre le fait d'être une femme, Antoine? Comment on fait pour enlever le timer, le chat là? Mais qui vous dit, que c'est une femme? Oui, comment veux-tu? On est en 2024, hein? Ben non, oui. Mais déjà, mais qu'on joue tous sur une identité, écoute, j'étais pas prêt à ça mentalement ce matin, je suis désolé. Là. Mais toi, tu voulais juste... Ah, c'est ça, mais c'est écrit Mathias en haut à droite, c'est... Ouais, c'est toi, en fait. Ah, bon, ben salut. Oh, Mathias. Bon, tu veux être un homme, c'est ça, de ce que je comprends? Massimo, ça te doit un PDG? PDG, en plus. Oh, PDG, parce qu'on est les voitures. C'est les voitures, bon, la passion. Bon, essayons d'être millionnaire, s'il vous plaît! Première question, let's go. On joue tous les trois, on essaie d'être millionnaire tous les trois, ok? Et je prendrai 99% des gains, c'est à vous. La rivalité entre le Monday Night Raw de la WWE et le Monday Night Raw de la WCW dans les années 90 était communément connu sous quel nom? Monday Night Wars. C'est la première question, c'est la première question. Ça y va crescendo, en fait, au début, c'était simple. Remettre en question car je vous le demande. C'est est-ce votre dernier mot? C'est vrai que c'est vraiment Kevin Patrick, ça me fume. Pourtant, la traduction avait très mauvaise, je le sens. Je le sens. Il est temps de passer à une nouvelle question. Ok. Quel lutteur est devenu le premier champion de l'AEW? Ah oui, c'est pas du tout un partenariat avec WWE. C'est Chris Jericho. C'est pas du tout un partenariat. Ah, c'est Steve Austin, ouais, je pense. Bon, Jericho. Big show, big show. Est-ce qu'il y a beaucoup de questions, ça? J'ai envie de savoir. Genre, ces questions-là, est-ce que Story les a fait ou pas, que pour ceux qui ont regardé le live de Story? Il y en a une centaine, non, de questions? Pas du tout. C'est parti pour cette... Quelle émission de télé-réalité de MTV lancée en 2001 offrait aux aspirants lutteurs une chance d'obtenir un contrat avec la WWE?
Sans lire la question, tu sais c'est quoi la réponse. Oui, ça va être... Bon, j'espère que ça va être plus compliqué. Tough enough. On va voir. Hein. Quelle sera la prochaine question. Tough enough. Tough enough. Mise. Dernier mot. Tout à temps. Là, on répond vite, là, mais après... Attention. Quel lutteur hardcore est le mieux connu sous le nom Earth and Soul de Tommy Dreamer. PCW Tommy Dreamer. J'allais Tommy dire, Dreamer. C'est fini pour moi à ce niveau-là. T'inquiète pas, on est heureusement là. Heureusement que t'es là, mec. Quand on va s'affronter... Je vous rappelle qu'il y a des indices, hein, au cas où. Sérieux, mais celle-là, je vais résister. Je choisis la réponse D. Elle m'inspire confiance. Bon, en fait, grâce à Jugurta, on va être millionnaire, c'est ça. Où vous partez? Et c'est parti pour une toute nouvelle... La légende de lutte, Jerry the King Lawler, a-t-il infiniment rivalisé avec quel comédien de Taxi au début des années 80? C'est De Niro. Robert De Niro. Mais non, c'est Andy Kaufman. Ben attends. Ben oui. Ah, Kaufman, ok. Oui, ben oui. Je vous dis, en plus, on l'a su récemment. Ouais, c'est vrai, en plus. Décès, ouais. Malheureusement. Ouais. Il était malade, ouais, c'est vrai. En succès déverrouillé, nous ne pourrons pas. Hein. Attention, ça va peut-être compliqué de... Ça va commencer à être compliqué. Quel nom d'équipe ont choisi Macho Man, Randy Savage et Hulk Hogan lorsqu'ils sont associés à la WWE? Les noms me fument. Les pitons. En plaçant, on est chaud, le chat. Hein. La partie est bien lancée, mais il ne faut pas s'arrêter en si bon. En 2021, à quel numéro d'entrée la plupart des gagnants de Rumble sont-ils sortis? À quel numéro d'entrée? Ah, sont-ils arrivés sur le ring, quoi? Bah, c'est 27, la stat. C'est 27, hein? Ouais. Normalement, c'est 27. La plupart des gagnants, donc ils parlent pourquoi que de 2021. Ouais. Parce qu'ils ont écrit les questions en 2021, je pense. Vous savez désormais quelle sera ma prochaine question. Elle est mal formulée, en fait, la question, mais... Ouais, 27. Ouais. C'est mon dernier mot. 27. Après, le 30... Non, il n'y a pas beaucoup, le 30, ouais. Ok, tu m'as fait peur, IM. Ouais, mais bon, tu fais pas peur comme ça, là. Même Punk, beaucoup pensaient que ça allait être Punk parce qu'il est rentré à la 27ème position lors du Rumble. Quoi? Punk, il est rentré à la 27ème. Non, pas toi, c'est quoi la question? C'est quoi la question? C'est pas très catch. Bah ouais, mais là par contre, j'ai encore moins de culture générale que j'ai de culture sur le catch, alors là il va falloir... Ça j'en ai aucune idée, là. Bon, quel stratagème de Charles White a-t-il été... Stratagème, sans doute, quel personnage, attends, a été inspiré par... Ah, c'est Papa Shango. Allons-y pour la réponse C. J'espère que t'as bon. C'est donc votre dernier mot. Ouais, je sais pas, mais logiquement... Westpine oui. Confirme aussi dans le chat. Parce que c'est la légende... Ok, vous êtes ouais. Sûr. C'est le centre de performance WWE original, la trad, est situé dans quelle ville américaine? Je vais choisir la réponse. Orlando en Floride. Vous savez désormais quelle sera ma prochaine. J'ai hésité. C'est le siège. C'est votre ouais. Voilà une bonne réponse. Bon, c'est simple les questions. Quelle équipe a créé la surprise en battant les favoris Young Bucks lors du premier tour du tournoi inaugural des championnats par équipe de la WWE en 2019? C'est Lucha Bros. Non, je crois pas. Même pour moi, j'aurais j'hésite dit. J'hésite entre les Private Party et Lucha Bros. Mais moi, j'hésite entre Lucha Bros. C'est Lucha Bros. Ouais. Mais moi, j'hésite entre Lucha Bros. C'est pas les Best Friends. Mais ça, les deux. Moi, après, on a. Faut pas oublier qu'on a c'est le 50-50. Parce que ceux qui ont remporté les titres là, c'est. Ils sont même plus en équipe hein, maintenant là. C'est... Comment ils s'appellent? Ouais, c'est. Comment ils s'appellent Putain, ils ont trois lettres. Frankie Kazarian oui. Et Christopher Daniels. SCU, ouais, c'est ça. Bon, venez, on prend un Joker parce que j'en ai aucune idée. Joker, 50-50, c'est mieux, non? Soit Lucha Bros, soit Private Party. Vous avez choisi d'utiliser le 50-50. Nous allons retirer deux mauvaises réponses. Ils vont retirer les deux choix qu'on a jamais dit. Je jure. Oh, niquez vos mères. Moi j'avais dit Private Party. Hein, en perso, vrai, Private Party, pour moi, je pense que c'est Lucha Bro qui a plus de chance. Oh mais putain, non, après, c'est compliqué votre affaire. Lucha Bro et Young Bucks se sont affrontés souvent. Ouais, c'est ça. Et dans des matchs pour des titres, en fait, tu vois, pas dans des tournois. Ouais. Moi, j'aurais dit, ouais, j'hésite entre les deux, en fait. Mais non, on reprend notre joker. Ah, en tout cas, dans le chat, ça vote Private Party, fait qu'écoute. Faut pas tricher. Coup de fil à un ami, on appelle Story, c'est bon. Allez, on l'appelle. Allez. Vous choisissez l'appel à un ami. Et c'est là que l'ami nous dit, tu te débrouilles.
C'est qui, Sturi? C'est un collègue, notre mère, notre sœur ou un ami d'enfance? C'est ton ami d'enfance. C'est notre ami d'enfance? Allez. Le deuxième prénom de Sturi, je crois, c'est Pamela. Sturi, Pamela. Allô, Pamela? Tu as besoin de moi pour une question, c'est ça? Bah frérot, on a appelé quoi là? T'es sûr on a appelé le bon numéro là? On a pas appelé le bon numéro là, ça c'est les numéros qui étaient sur RTL9 à l'époque ça. Là on se retrouve sur RTL9 en 2003. B, Adilou Chabro. Ah ouais? Bah vas-y, hein, on la suit. Et Sturi connaît mieux le catch que nous. Oh, c'est le téléphone rouge, je te jure. Attention! Remettre en question car je vous le demande. C'est votre dernier mot? Moi, j'aurais dit prêt d'être parti, mais... Le choix est fait. Il est temps de découvrir la bonne réponse. Croisons les doigts. Et malheureusement, ouais. Ce n'est pas la bonne réponse. Ah, ouais. Ouais. Merci, Sturi. Ouais, on aurait dû m'écouter à moi. mais toi, sois plus confiant aussi. Arrête de dire, normalement, je crois ce genre de truc qui fait douter. Non, c'est parce fini. Que... Bah, on a perdu. Parce que, ouais. Parce qu'en fait... on est arrivé au premier palier, donc le minimum qu'on peut avoir d'argent c'était 1000. On ne sait pas, mais. Non, bon. Mais pourquoi tu fais encore solo? Mais venez, on arrive au million, non? Mais non, mais on veut te battre! Mais arrête de vouloir me battre! C'est ouf ça! Non, je. Bon, joue ensemble. Venez, on est chaud, venez, on est chaud. Souvent dans la lutte, Attends. Le lutteur qui provoque des huées de la foule et qu'on savait comme un méchant est appelé en termes de lutte un talon. C'est talon, ouais. Parce qu'ils ont fait une traduction, oh là là. C'est le heal. Ouais. Oh la trad. C'est parti. Le légendaire de ce lutteur Dusty Rhodes, avec quel surnom? American Dream. Allez, venez, on va vite là. Ah ouais, Mr. Wonderful, c'est pas le Wonder. Laisse-nous respirer là. Avant de faire équipe avec Rodok, Jesse James dans les Billy Gunn a fait équipe avec Bad Gunn dans quelle équipe de tag? J'en ai aucune idée. Smoking Guns. Jugurta, confirme s'il te plaît. Ah oh, mais laisse-nous respirer. Jugurta? Attends, on lit la question avant oui, de faire laisse-nous respirer. Bon, oh, pas c'est ça. Ouais. Quelle est l'arme de signature de Triple H? C'est... Un marteau piqueur. Ah putain. La trad, allez. Traduit, c'est, oui, c'est plus compliqué avec la trad en fait. Le pedigree. Un marteau piqueur, putain. À Bash at the Beach 1996, qui a été révélé comme étant le troisième homme à rejoindre Kevin Owens. C'est Hulk Hogan. C'est Hogan. Ouais. Allons-y pour la réponse. Bah ben oui, parce que les autres n'ont jamais rejoint. Ok, premier palier, les gars. Mick Foley a joué trois personnages distincts dans la WWE, Mankind, Dude Love et. Et ce sera la réponse. C'est Jack. Vince the Clown, c'est le GOAT dans mon livre. Je vous le dis. Ok, les amis. Est-ce que vous croyez en nous? Dans quelle ville se trouve le siège? Il se trouve à Stamford. Stamford. Connecticut. Va doucement, il n'y a pas d'aller doucement. Ah, mais c'est vrai, mais vous, mais vous, de ralentir. Personne ne peut suivre. Un match qui a généralement une limite de temps de 30, c'est un Iron Man. Oh putain, ils ont traduit. Ok, c'est bon, c'est ça. Plus de chute, putain. De plus en de fait, chute. Ceux qui ont fait le jeu, n'hésitez pas à nous envoyer à catch-news@kz.com vos questions, les gars. Vos questions, et nous, on se fera un plaisir de les corriger. Quel pour membre du Hall of Fame une meilleure compréhension. A joué dans le film culte. Oh, bah j'ai aucune idée là. Quel membre du Hall of Fame de la LE a joué Day dans Live. Ce film Daily Life? Qui connaît? Ça doit être. C'est Piper, non? Ben, c'est ça que j'allais dire, parce qu'il me semble que Hulk Hogan n'a rien fait. Hulk Hogan, ça a été un échec, ouais. Mais peut-être, hein. Hyper, Chateau Gagné n'a plus joué dans des séries ou des... Ouais, j'aurais dit Piper, moi, perso. Ouais. Il fallait faire un choix, et vous l'avez fait. C'est votre dernier mot? Oui. Parce que c'est pas un film... Parce que Macho Man, oh là là, Spider-Man... Le plus connu, tu vois, des films où il a joué. Je connais pas du tout. Ok, parfait. Ouais. Parce que Piper... On avait regardé le reportage, je crois, sur Piper, et première ça m'avait parlé... Premier Rumble féminin a eu lieu en 2 minutes, qui l'a remporté, c'est Asuka. C'est Mayong. Mayong, ça c'est... Je me dois de vous le demander. C'est votre défi. Oui. Donc d'être... Let's go, les amis. Let's go. On est bientôt au million. Qui a battu Greg Valentine à WrestleMania 1 par décompte extérieur? Jugurta. Ah, déjà, t'as c'est pas André Géant. C'est pas André Géant. C'est pas... J'hésite entre... T'as Tito Santana... Bon, écoutez-moi bien. Tito Santana, il l'affronte pas à ta WrestleMania 1. Écoute-moi bien. C'est quoi tu fais? On va changer de question. Mais je pense que c'est Tito, mais on va changer de question. Bonne chance à vous.
Non, ne change pas de question. Ouais, t'inquiète. Sérieux, le gars, il joue en équipe, mais il console rien, c'est... Ça doit être un bon, on l'aurait pas eu, on l'aurait pas eu. Tito Santana, je crois, il avait fait le premier match de WrestleMania 1. Oh, ça c'est pour toi, Jugurta. Un match, une question d'Anu Japan. Quel lutteur a remporté le tournoi inaugural pour le championnat poids lourd? C'est Kenny Omega. C'est Kenny Omega. Vraiment? Et ouais, c'est Kenny Omega. Il n'y a même pas des choix de réponse. Ah, j'ai vraiment eu peur qu'il n'y sorte pas. J'ai choisi la réponse D. Elle m'inspire confiance. Êtes-vous sûr? Et ouais, Kenny Omega inspire confiance à tout le monde, mec. C'est mon dernier mot. Bravo, bravo. Et allez, oui, le million. Que non s'affiche. Le million. Ah, c'est pas Kenny Omega, c'est Kenny. Les lutteurs c'est Bray Wyatt. Ils sont fils de Barry Windham. Et non dirais... Mike Rotunda. Mike Rotunda. Barry Windham, c'est quelqu'un de leur famille, mais... Oui, Windham, ça m'a fumé, le Windham. C'est votre dernier mot. Et voilà. IRS. Bah tiens, ça a failli se faire tuer. J'ai failli me faire exclure de scène, hein, carrément. Ok, les amis. L'humanité... On est à la fin. ...était le premier champion hardcore. L'humanité. L'humanité. Mankind. Oh, okay. Putain. La trad. Ils sont en train de tuer Mankind. Mais qui a battu? Quand elle lui a été offert par Vince McMahon. Qui l'a battu pour être le premier champion à remporter le titre? Bah c'est... Jugurta, dis-moi que t'as bon. Enfin, dis-moi que tu sais, là. Jugurta. Regardez pas le chat. Arrêtez de regarder le chat à partir de maintenant, ok? On triche plus. Non, moi, j'ai jamais regardé le chat. Ouais, mais Antoine, il triche. Je viens de dire. Non, il triche pas, Antoine. Moi, j'aurais dirais Crasholi. Vas-y, dites-moi juste vos idées, là. Et moi, j'hésite entre Crasholi et Big Boss Man. Ok. Est-ce que 50 va encore nous fumer ou pas? Mais non, mais toi, tu dis quoi, Mathias? Ah, rien, j'ai aucune idée, frère. Mais non, mais tu peux-tu me consulter avant de cliquer sur des options? Mais non, regarde bien. Ouais, c'est non. Ok. Ouais, Big Boss Man, hein. On va suivre Antoine. Hein. Oh, parce qu'Antoine, il hésitait entre le B et le D. Antoine n'a jamais été une bonne idée. Si, si, on va le suivre. Oh putain, vous êtes sûr? On est deux contre un. Ouais. Antoine, t'es sûr ou pas? Sûr comme le fond de mes fesses. Vous savez désormais quelle sera ma prochaine question. Avec une phrase comme ça, je pense qu'on peut avoir que juste. Ce sera mon dernier mot. C'est votre dernier mot, mais est-ce la bonne réponse? Que suspense de mort. Oh, Antoine, t'es le boss. Wow. Bien joué. Antoine, t'es le boss. Je connais mes classiques. Maintenant que vous avez relâché la... Dans un match de combat à WrestleMania 15, le vainqueur du Brawl for All, Bart Gunn, se ferait-il mettre KO quel combattant professionnel? Butterbean. Ouais, en plus, tu l'as vu à Dark Side, Mathias, tu connais la réponse. Aucune idée. Je pas. Eh ouais, tu l'as écouté en live. C'est votre dernier mot? Oui. Où vous partez? À mon plus grand regret. Dernière question! Là, laisse-nous le temps de lire, là. Dernière question. La plus difficile, normalement. La partie est bien lancée, mais il ne faut quel lutteur a remporté la première Battle Royale en mémoire d'entrée de genre au WrestleMania 30? Cesaro. C'est Giga Sap, c'est le million! Allez, c'est Sheamus. C'est Cesaro. Moi, c'est simple. La réponse B. Le million, c'est pour nous. C'est mon dernier. En first try, hein, je tiens à le dire quand même. Vous avez fait votre choix. Limite Big Show. Vous faites partie de ces rares personnes à pouvoir dire que vous avez obtenu le million. Bon, on est millionnaire maintenant, les amis. Après celui-là, il est en facile, tu l'avais mis en facile. Non, normal. Je pense que la question, en vrai, ça, c'est un peu grand public. Après, quoique Kino Megan ou Japan, il faut suivre quand même. Ouais. Bon, on s'affronte. Allons-y. Allez. Qui va gagner? Faudrait une prédiction là. Est-ce qu'il y a un modo dans le chat ou pas? Non mais fais-la. C'est que ça à foutre? Ah, il faut 4 pattes. Faut 4 packs. C'est quoi 4 packs? Bah des salles, tu vois. Des thèmes. Oh, mais là. Du catch. Ok, venez, on s'affronte sur le culture général et du catch. On choisit tous un thème. Non mais manga, WWE. Ah ouais, on choisit, vas-y, manga moi. Toi, manga, ok. Antoine, tu choisis quoi? C'est un des catégories de merde. Moi je choisis divertissement, moi. Ok, je vais mettre cuisine du monde. Oh putain, vos catégories, si je tombe dessus, je suis mort. On est mort. On est mort. Allez, let's go. On s'affronte. Moi je prends. C'est qui?
Moi, je prends l'INSEE. 37 ans. C'est vrai qu'elle sait tout. Tu prends qui, Antoine? Georges, Nadia, t'aimes qui? Georges, ben j'aime bien Georges. Allez, Georges. Aide-soignant, 42 ans. Jurta, Nadia, Julie. Massimo qui a déjà été millionnaire. C'est la patte du game. Oui. Allez! Qui j'ai, ouais. Qui va gagner? Après, moi, je suis nul en culture générale. Rien à vous dire. En réalité, je cache mon jeu, je trouve pas. Tour après tour, ok, c'est moi, l'INSEE. Donc là, en gros, c'est chacun son tour. Les questions. Va-t-elle en faire autant? Là, le clique pas comme un défoncé ou quand on a le temps de lire. Hein. Mais non, mais c'est moi la question de toute manière. Donner de fil à retordre. De quel pays sont originaires les... Bah, je suis mort. Bah, Liège, c'est Belgique. Oh, il y a du timer, les gars. Je suis sûr que il y a 30 secondes, hein. On va répondre vite, hein. Êtes-vous sûr que c'est votre dernier mot? Pourquoi j'ai pris cette catégorie-là? Bonne réponse. C'est vrai que c'est ta catégorie de mort, là. Relâche pas. Moi, j'aurais été éliminé direct. Direct. Georges a dit, c'est mon tour. Ah oui, vous avez toujours été pas eu. C'est son tour. Bonne chance direct. À lui. Ok, Georges. Georges, c'est moi, ça. T'as 30 secondes. Hein. On me reconnaît direct avec les lunettes et les bretelles. Oui, ça, c'est tout toi, ça. Cette nouvelle question. Quelle célèbre phrase Dark Vador dit-il à Luke Skywalker dans l'Empire Contre-Attaque? Bouge ton nez, ça me semble évident. Bouge ton nez, sois poli, dis merci. Fais pas ci, fais pas ça. Là, je suis ton père. Écoute, c'est D. Arrêtons d'hésiter. Eh oui. Je vais dire la réponse D. Écoute, j'ai eu tellement peur que ce soit mal traduit que je savais pas. Là, t'es chaud. Ok, Jugurta. Question catch. Quel terme désigne la manière qu'un rappeur... de débiter ses paroles? C'est le flow. J'ai l'intuition que c'est la scène. Allez. Oh, t'es chaud. Mais quand on clique, est-ce que c'est définitif ou on peut revenir? Tu cliques une fois et ensuite tu changes. Tu peux changer. Ah, ok, mais quand tu demandes de valider, c'est là que tu valides, genre? Ouais. Ouais. Ok, à moi. Nouvelle question en approche. Dans quel monnaie de minutes? Je suis mort. Non. Je suis mort? Bon, comédie, les tuches. Eh oui. Voilà une... C'est quoi les tuches? Je sais pas, c'est de la merde. Le rédacteur vous propose... Antoine, de quel pays est originaire la paella? Ah ben ça c'est... Ta catégorie? Ça c'est l'Espagne? Allez, on va dire la réponse. Valide? Est-ce que je valide? Je sais pas. Allez, tu valides. Je sais pas. Mais je réfléchis. Ok, bon. Merci. Non mais laisse-moi le temps de réfléchir. T'es dans une arnaque. C'est au tour de Massimo. Allez, Jugurta. Nouvelle pas de question de catch pour le moment. Bonne chance à vous. Oh, c'est l'un des pires films FR des 20 dernières années, merci. Quelle autre œuvre les auteurs de Death Note ont-ils aussi créé? Mais y a-t-il des questions catch parfois dans ce jeu ou... Jugurta? Je réfléchis. Ouais, réfléchis bien. Ah ouais. Sérieux, j'ai aucune idée, c'est quoi. Attends, y'a même pas d'indice? Oh, y'a même pas d'indice? Même si je voulais t'aider, je peux pas. Je vais me faire éliminer dès maintenant, je crois. T'as une chance sur 4, vite, t'as 10 secondes. C'est quelqu'un dans le chat qui a la réponse? 9, vite, mec, dis-moi, vite. Vite. Mais, allez. Et c'est parti pour la réponse. Non, attends. Ouais, bah, il ose me dire attends. Quelle sera ma prochaine question? C'est votre dernier mot? C'est ton dernier c'est mot? C'est mon dernier mot. Non, mais dans le chat, personne le sait non plus. Ah, ça dit mais dans le chat, là, ça... Quel suspense. Ouais, mais dans le chat, c'est partagé. Oh oh, la chance. Non, mais c'est-tu de la chance ou tu le savais un peu? J'hésitais. Mais je savais à peu près, mais j'hésitais entre A et D. Êtes-vous prêt pour ça? On n'a aucune question de catch. Quel membre des Avengers a des origines nordiques? Je suis mort. Mais non, tu... Je vais choisir la réponse D. Et c'est une très bonne réponse. Oh là là, cherche pata. Merci Biggs. Même si j'avais pas vu. Question pour vous. Quel type de manga est Claymore? Mais c'est Drew McIntyre. Non, j'ai failli répondre. Ah ouais, non, c'est Antoine. C'est Antoine. Mais je regarde aucun manga. Allez, chef, tu vas perdre. Mais vu que Jurta...
Audi, j'ai failli répondre, ça va être OB, je présume. Est-ce qu'il y a dans le chat qui peut me sauver de cul? Non, ou... non, non, tu rates pas. Faut pas hésiter à reboot à première game pour que ce soit full cash. Oh ouais, non, mais là, on a lancé en. T'as des bas? De quoi? J'en ai aucune idée. Mais. Vite! Mais je veux prier que Jugurta le savait, donc j'ai allé avec A. En gros, la souris, on a lancé un pour s'affronter et du coup, il fallait mettre 4 packs. Sauf que le problème, c'est qu'il y a aucune question de catch qui tombe. C'est mon dernier mot. Il y a sa galère. Mais c'est pas grave, attention. Culture générale dans le chat, les amis. Comment appelle-t-on l'acte de remplacer une langue de tournage par une autre? C'est moi, c'est pour moi. Ouais, c'est simple. Hein. C'est un doublage. Je vais dire la réponse B. En tout cas, les traits, c'est vrai qu'elles sont très belles. Hein, sabotage. Venez chanter, mais t'es pas là, mais t'es où? Est-ce que je chante bien? Est-ce que j'ai une carrière de chanteur? C'est fini. Où vous partez? Je pense que j'ai une carrière de chanteur. Nouvelle question en approche. Georges, bonne chance à vous. Quelle est la particularité du café Kopilwak? Non, non. J'en ai aucune calice d'idée. Je disais tantôt, tu te demandais si je buvais du café, je t'ai dit non. Quel arnaque, ça, Mathias. Il est faible en caféine, c'est le plus cher sur le marché, il a disparu de la planète, il est récolté dans des excréments. C'est qui doit répondre? C'est moi. Mais écoute, je dirais le plus cher, je pense. Ça sent le caca. Je crois que c'est... Ouais, ça sent le caca, je crois. C'est certain que c'est la je connais, c'est ça sent vraiment le caca. Vous savez désormais quelle sera ma prochaine question. Ouais. C'est votre dernier mot? Bon, ben d'abord, dis ça sent le caca. Oui, c'est mon dernier mot. Je change. Le choix est fait. On ne peut pas toujours gagner. C'est nul. Le tour de Massimo... Mais pourquoi t'as pas changé ma réponse? Parce que t'as validé! Mais non! Je t'ai dit, je prends Massimo, des finalement. Lequel de ces coquillages comestibles n'est pas un coquillage bivable? Pourquoi tu m'as fait ça? Bivable! J'arrive pas à parler ou pas? Bivalve! Merci. C'est à toi, Jugurta. Vite. Voilà, pas lourde. Je choisis la réponse D. Elle m'inspire confiance. Ah, comme on regardait le chat là. Vous semblez être convaincu de votre réponse. Ah, j'hésitais. Vous avez tout misé sur cette question. Ça t'apprendra ici à regarder le chat. C'est pas la bonne réponse. Qui aurait dit que j'étais, que je suis le plus cultivé de cette équipe? Qui l'aurait dit? Mais non, mais t'as même pas changé ma réponse. Non, toi t'as triché. Moi ça? Ben non, mais c'est toi qui m'as dit après ça sent le caca, c'est toi qui m'as donné la réponse. Bah oui, quand t'as validé. Bon ben... Bon, pourtant t'as une question de catch, là. On est obligé de rejouer ensemble. Maintenant on se refait une game. Pourquoi on est obligé de jouer ensemble? Bah parce qu'on peut pas s'affronter sur du catch en fait. C'est une non réalité. Mais pourquoi il y avait jamais du catch alors je crois qu'il y a pas, il doit pas y avoir énormément de questions de catch par rapport à des questions de manga et tout, tu vois, je pense. Je pense que le ratio il doit être très faible. Ben oui, Mathieu, il triche encore comme d'habitude. J'ai pas triché, je suis cultivé. Je dis, je demande une validation sur D, puis il est comme, ah, tu peux plus. Souvent dans la lutte, lutteur qui provoque des duels. Oh, ben c'est les mêmes questions, frère. Il y a vraiment 30 questions, genre. Allez. Talon. C'est le talon. Le fameux talon. Quel ancien champion par équipe et manager a joué Mario dans le Super Mario Bros Super Show? Hein? Jugurta. Mario Bros Super Show. Ancien champion. Non, Rocky Johnson, non. Briscoe, non. Moi, j'aurais dit Captain Lou Albano. Ou Rick... Ah ouais, Rocky Johnson, non. Non, manager, il n'a jamais été manager, Rocky Johnson. Lou Albano, hein, j'aurais dit, moi. Perso. Parce que Freddy Blassie, il est beaucoup plus vieux, tu vois. Mais c'est quoi ça, le Super Mario Bros Super Show? Bah, ils ont fait un film, en fait. Ils ont sorti un film. Cesaro et Sheamus ont formé une équipe ensemble en 2016. Comment s'appelait-elle? C'est The Bar. The Bar. Et je choisis la réponse. Et oui, il faut croire en son instinct, madame. C'est parti. Quel lutteur hardcore le mieux connu? Ah oui, c'est vraiment les mêmes questions, frère. Je vais choisir la réponse D. Êtes-vous sûr? Voilà. C'est cool qu'il y ait une catégorie 4 quand même, c'est sympa. Les 4 cavaliers originaux comprenaient Al Anderson, Tully Blanchard, Ole Anderson et qui? Major Boy, Rick, Flair. Putain, mais j'étais en train de me dire c'était quoi les cavaliers, frère? Les Horsemen. Ça n'était facile. Bravo! Est-ce qu'on va être double millionnaire ou pas? Ils nous mettent le barbe le plus connu en choix. Qui a remporté le premier match du Royal Rumble? C'est Dwayne The Clown, évidemment.
Jim Duggan. Jim Duggan. Quel lutteur a eu le règne le plus long et continue avec le championnat de WWE de tous les temps? Bruno Sammartino. Bientôt Roman Reigns, attention. Hein. Dans quelques années. Hein. Quel ancien boxeur à main nue était le leader original de la faction WWE, le Nexus? Je dirais réponse. C'est Wade Barrett. Bon, les questions sont très, très faciles quand même. Ça fait combien de... Je sais pas si Story est encore là. Il a fait combien de games Story, genre? J'imagine qu'il y a eu bon à tout en fait. Quel était le nom de l'ère de la WWE qui a principalement eu lieu pendant les Monday Night Wars de la fin des années 90? C'était l'attitude des rares. Allez, réponse C. Et voilà. Ah, les gars, on va être millionnaire. Hein. Le Royal Rumble met généralement en vedette 30 lutteurs. Le Rumble 2011 a été le seul à en présenter 40 qui a remporté ce match de Rumble. Extra large. 5 sur 6. Extra large. Il a échoué une question. Vous savez désormais quelle sera ma question. Alberto. Oh, tu le fais bien, mec, hein. Quel grand lutteur a remporté le plus de Royal Rumble jusqu'en 2021? Steve Austin. Ouais, c'est Steve Austin, pourquoi t'as pris la voix de Triple H? Ouais, c'est quoi tu disais? Hell yeah. Give me a hell yeah. C'est quoi tu dis? Oh, give me a hell yeah, ok. Hell yeah. Hell yeah. Tout va bien. Lequel de ces mouvements était la prise de finition de l'Ultimate Warrior? Mais c'est la Glory Press. Ah. Glory la Presse, ouais. Ouais, t'inquiète, je connais bien le catch, t'es bien au savoir. T'es bourré, Jugurtar. Mais quand il met pas la cam, on sait pas ce qu'il boit. Hein. On se lâche. Alors, c'est bien 21, quel superstar? Je suis Jugurtar. Qui vous dit que je suis Jugurtar? C'est Big Show. Attends, ton pseudo. Quel superstar a affronté le lutteur de Sumo? C'est le Big Show. Et on verra ça maintenant 21. Akebono. Quel animateur de jeu télévisé est un annonceur d'arène invité pour WrestleMania 8 et a présenté le match par équipe de 8 hommes? J'en connais aucun, c'est normal. Ben non, mais Bob Barker, tu sais qui? C'est Price is Right, arrête de niaiser. Oh, c'est lui! Ben oui, Krim, arrête de niaiser. Je sais pas qui c'est. c'est qui? Mais c'est pas Bob Barker, ça c'est sûr, parce que WrestleMania 8 c'est trop vieux, puis ouais. Il était pas là dans ce temps-là. C'est dit Drocaré peut-être? C'est 92, hein. Venez, on prend un Joker. Sérieux, mais j'hésite là. On est sur les dernières questions, on peut prendre un Joker. Soit on prend un 50, on va se faire baiser, c'est ça? Allez, l'appel du public. À vos boîtiers, s'il vous plaît. Vous pouvez... Attention! Le Drocaré. Récombe. C'est... Récombe, parce que Drocaré en fait. Parce qu'il a été mis dans le Hall of Fame, Drocaré. Oh bah, ben, c'est Récombe. Attends, tout à l'heure, on s'est fait baiser par l'appel à un ami, hein. Mais qu'est-ce que je te dis? Mais Story était fatigué. Public, là. C'est pas. Ouais. Ok. Dernière question. Qui était le premier champion intercontinental de la WWE? Facile. Vive le Québec. Patterson. Je crois en mon instinct et je choisis la réponse B. Double millionnaire. On est le champion intercontinental de l'histoire. Alors on est vraiment chaud, les amis. Bravo à vous. On est bon. Bon, c'est sympa en vrai ces questions. Ces questions 4. Bon, après, pour les fans comme nous, évidemment, ça c'est simple. Est-ce que même vous... à 2 contre 2, mais tu peux pas choisir juste WWE? Non, on peut pas. En famille, c'est quoi? Est-ce qu'on forme une famille? Non. C'est quoi en famille? C'est quoi? Attendez, j'essaye. Visuellement, tu peux pas choisir les catégories. Je peux pas choisir catégorie. Dommage. On peut pas s'affronter juste sur une seule catégorie, c'est nul à chier. Quoi. C'est nul. Peut-être 2 contre 2? Mais y'a pas de 2 contre 2. Non, mais tantôt, t'as mis 4 joueurs, peut-être tu peux en mettre juste 2? Non. Attends, ça c'est ensemble, chacun pour soi. Mais c'est quoi ça, c'est chacun pour soi, chacun pour soi, il faut avoir 4 manettes, du coup, c'est mort.
Non, il y a que juste chacun son tour. Mais non, on se fait un truc de questions de culture générale et on se termine là-dessus. Allons-y. Sur toutes les catégories, là. Allons-y. Ah ouais, là, on va être éliminé direct. Ah ouais, là, frère. Mais qui est qui, là? On garde le même ordre? Ouais. Mathias, ou alors on essaye de tous les trois on essaye de en culture générale d'aller au million. Ouais, je pense que c'est mieux comme vas-y. Ça. On va s'aider parce que surtout qu'en s'affrontant on n'a pas d'indice. Ok les amis, on rate pas le chat hein. Pas de triche. Allez INSEE. Passion cinéma. Ok, appelle un ami, c'est le chat. Ok, on fait ça. On fait ça. Ok, ouais, ça qui veut gagner 10 millions? Let's go. Qui est notre... Ah bah, je sais pas. C'est Donald. Donald. Non, je sais même pas c'est qui Picsou, on a pas les mêmes traductions, ah ouais, c'est clair là. Ah, c'est Gigaku. C'est qui Picsou? Ça a peut-être un pont au Canada. Je regarde c'est qui Picsou. Bah, c'est Picsou. Picsou, c'est un qui aime l'argent, c'est un canard là. Je sais pas si vous l'appelez comme ça aussi au Canada. C'est le canard là qui a fait un canard ou un oiseau qui aime l'argent. Dans quelle comédie 2018? Ah bah attends, j'ai les mêmes questions tout à l'heure. Attends, il y a trois questions dans le jeu ou quoi? Que cinéma là ou quoi? Les amateurs de saveurs délicates peuvent déguster des huîtres fines. Ils mangent des huîtres là. Je déteste ça. De clair, fine c'est de clair. C'est sur Steam, Mathieu. Fine de clair. Fine de clair? Ah bah oui, c'est un fine jeu de clair. Mots. Ah oui, ils ont mis plein de prénoms. Putain, on est trop con. Dans quel pays trouve-t-on la province? Ah, Saskatchewan. C'est chez toi ça, c'est chez toi ça, Antoine. Ben oui. Non, mais... Ça me disait quelque chose. C'est ça. La réponse, c'est Brock-Lesnar, c'est pas le Canada. C'est le pays Brock-Lesnar. C'est dans le Saskatchewan qui recevait des fameux MMS de Vince, je crois. Selon la Parce Bible, qu'il avait le forfait international. Quel disciple a trahi Jésus dans le jardin? C'est Judas. Non ouais, c'est bon, c'est... Judas. Ouais, Judas Iscariote. Judas Iscariote. Bravo. Ok, on a gagné 1000 balles, les gars. En quelle année est sorti le Blanche-Neige et les 7 nains? Oh Jésus. En tout cas, il y a un 7 dedans. Ça, c'est 1937. Oh, c'est vieux. Oh, moi, j'avoue que je dirais trop 37, mais j'en ai aucune idée. On fait quoi? On change de question? Vaut mieux changer de question au début, tant que c'est des questions simples, un peu. Vous êtes d'accord? Vas-y. Je vais juste regarder si c'est 37 ou pas. Mais je pense que ça doit être tellement vieux que ça, ouais, je pense que ça doit être 37. C'est des années 30-40, tu vois. Ouais, c'était ça. Dommage. Lequel de ces sports utilise le ballon le plus gros? Le basket. Ouais, c'est facile, ouais. Bah ouais. Parfois, il faut savoir être joué. Ok. Allez, la réponse D. C'est votre... On va être millionnaire, les gars. Alors là... En France, combien de mois de l'année commence toujours par un jour férié? Quoi? Ça doit être 12. Il y a le mois de mai, 1er mai. Ok. Il y a le mois de janvier. Oui, le 1er janvier, oui. Voilà, il y en a que deux. En tout cas, ici. Attends, est-ce qu'il y en a ici, pas un troisième? Attends, il y en a trois. Il y a novembre, mai et janvier. Ah, il y a le 1er novembre, oui. Mais c'est quoi, vous avez le 1er novembre? C'est la 3. La fête du travail dans le 1er novembre, non? 1er novembre. Le 1er novembre. Non, 1er mai, c'est la fête du travail. Ah oui. 1er mai. Novembre, c'est quoi? C'est repos avant l'hiver? C'est donc votre dernier mot. Ah oui, c'est tout ça, c'est tout ça. En novembre, c'est l'armistice. Votre réponse. Okay, bravo. Eh ben. L'un des gros succès du box-office français 2018 est Astérix, le secret. Secret de la potion magique, non des, c'est ouais. Pas des Gaulois. Moi, j'irais avec des Gaulois. Mais c'est un film français, mais j'irais avec des Gaulois. Secret de la potion magique. Parce que le secret, c'est que de la potion magique, tu vois, normalement. Je me dois de vous le demander. Oh bah il y avait un film qui s'appelait des Gaulois. Des druides, ouais c'est vrai. Ou des Gaulois. Bravo.
Après, je serai quelque chose dans cette équipe, c'est cool. Dans Dr. Greyman, à quel niveau un Akuma commence-t-il à éprouver des sentiments? Mais c'est quoi Greyman? C'est quoi un Akuma? J'en ai aucune idée. J'ai dit docteur, je sais pas si c'est docteur. Hein. C'est manga, c'est manga. Oh, mais jure, toi. Ouais, niveau. Ouais, tu sais pas, je sais pas, j'hésite. Ouais. J'hésite entre niveau 2 et. T'hésites vraiment ou tu sais pas? Ouais, j'hésite. Genre, si je fais 50-50 là, ça, c'est bien ou pas? Ah, on peut pas changer de question, non? Non, on peut plus. On peut plus. On peut plus. Voilà. On va. On fait quoi? Je sais pas, niveau 3, commence à éprouver. Des sentiments. Éprouver. Je connais pas du tout, moi, je le dis. On me demande au chat ou. Vas-y. C'est quoi, ça appelle un nuit, on a dit le chat? Bon, le chat, vous dites quoi là? Niveau 4, 2. C'est cool ça en tout cas. Niveau 4. Ouais, Bux, c'est bien ce que je me dis. Bon, ça dit niveau 4, c'est ce que je vois là. Ouais, vous êtes sûr? Toi, tu sais quoi, toi? Tu hésitais entre niveau 2 et quoi? Niveau 2 et 3. Bon, je vous fais pas confiance au chat. Alors. C'est 2. Niveau 4. 2. On n'est jamais trahi par sa grand-mère. Putain, parce qu'elle connaît les mangas déjà. Elle sait même pas c'est quoi un manga, mais oui. Ah ouais. Ah, ouais. Elle dit on... niveau 3. Ouais, 2 et 3, j'hésitais moi, perso. Ah, je fais confiance du Gurtai à ma grand-mère. En tout cas, dans le chat, personne n'est d'accord, là, vu que vous redoutez le plus de ma part. C'est votre dernier mot? Oui, c'est... Oh là là, c'est quoi cette grand-mère? J'hésitais entre le 2 et le 3, t'as vu? Oh l'enfer. J'ai fait de mon mieux. Personne n'a ni 2 dans le chat. Mais heureusement, la chute est rude. Au dernier palier obtenu. Vous ne repartez pas sans rien. Bon, on a gagné 1000 balles, les gars. C'est cool. Ça se partage un peu. 6 mois, t'étais seul, mais. Bon, voilà. Voilà. Vaut mieux qu'on reste sur les questions WWE la prochaine fois. Ouais. Bon, c'est cool, c'est un truc à découvrir. Bon, c'est un petit. C'est des petites questions comme ça. Oh. Ah, c'est sympa ça. Ouais, ça fait changement, puis les questions aussi, mais sont un style différent aussi. C'est ah trop... oui, c'est vrai que le texte des questions est très différent, effectivement. Non, mais le genre des questions, tu sais pas, mais comme nos quiz oui, habituels. Oui, là, oui c'est très très rempli parce que nous, on est tellement en fan qu'on va essayer de chercher le détail et tout. Là, c'est vraiment très ouais, c'est grand, ça. Voilà. On voit après, c'est bien aussi de changer un peu. Ben oui. Non, mais c'est cool, pour une fois qu'il y a un truc lié à du catch... À part un jeu ou quoi, c'est sympa. Sympa. D'ailleurs, j'ai vu tout. Je crois que c'était hier quand sur Steam, Jugurta, que t'as joué à Battlegrounds pendant 54 minutes. Ouais. Impossible. Et Antoine, 44 heures. Ah, ok. Oh, non, mais je pensais qu'hier, il avait joué pendant 44 minutes. Non, de l'histoire. En tout. Non, mais c'est quoi le problème? Je faisais des lives mais chaque semaine. Je pense vraiment que t'as un record, Antoine. Hein. Le record et le nombre jeu de la EW. Et le jeu de la EW, combien? 4 jouets, 2 heures quand même. Et Antoine, 10 heures. Donc, pro WWE, c'est ce que je vois. Mais... Ça, c'est contre mon gré, parce que je rêve de jouer en live sur Twitch, mais il n'y a personne. C'est l'époque Covid, ça. C'est sorti quand, Battlegrounds? C'était avant le Covid. C'était bien avant le Covid. Je crois pas. Hein. Ah, c'est en 2019, non? Ou début 2020? Je sais pas du tout. C'est pas 2020, pendant en 2020, je crois, non? Ouais, c'était pas pendant le Covid. Le 17 septembre 2020. D'accord. C'était pendant le Covid. Allez. Live React ce soir, ça demande, André Jugurta? Malheureusement, non. Généralement, s'il a ce micro-là, c'est que... Ah oui. Après, est-ce que je vais regarder le show? À voir. Je sais pas si Antoine sera là.
Ben, moi je serai là sur, sur Discord, on peut se faire un petit watch along. Si... Ouais, c'est pas mal. Et Antoine, qu'est-ce qui se passe ce soir? C'est quoi le programme? Oh, j'ai vu le programme, il a l'air d'être à chier. Je veux pas être exigeant. Mais... Attendez, laissez-moi vous le montrer. Non, mais c'est que le programme est incomplet. C'est drôle qu'on sait pas la carte complète, puis là on sait pas la carte complète. J'ai pas cette image qu'on l'a vu tout à l'heure, je crois. En fait, les matchs qui sont annoncés, c'est les matchs qu'on connaît depuis la semaine dernière. Ouais, sauf John Moxley contre Jeff Hardy qui a été ajouté hier. Ouais. Et l'adversaire mystère pour... L'image d'Arrive à Cœur, Mathias, est-ce qu'on peut s'en parler? Mais j'aimerais bien la mettre, tu vois. C'est quoi? Alors, c'est IM, tu regardes. La fête de Jericho de Vescalis, faut arrêter vite. Oh. Ouais, ben là, elle va durer pour les deux prochaines semaines minimum. Ben parce que là, ce soir, justement, c'est Jericho contre Carl Fletcher. Puis la semaine prochaine, c'est Jericho contre Takeshita. Oui, c'est ça. L'image arrive, hein. Elle va vraiment pas tarder à arriver. T'as besoin d'aide ou. C'est bon, je viens de la trouver. Elle arrive du Saskatchewan. donc fais attention à l'image que tu vas mettre. C'est Brock qui l'envoie. Ouais, voilà, j'ai peur. Ok. Mais oui, puis aussi, ben là, ensuite, les deux autres matchs, mais c'est les Dealer's Choice. Fait que c'est-à-dire que Adam Page décide de l'adversaire de Swerve et Swerve décide de l'adversaire d'Adam Page. Donc, Swerve a choisi Toa Liona de son clan mogul Embassy. Puis Adam Page, ben, il a pas précisé c'était qui, mais il a fortement teasé que c'était RVD. Parce qu'à chaque fois qu'il parlait de la personne qu'il allait choisir, il nommait les surnoms de Rod Van Dam. Donc, je présume que ça va être lui. En tout cas, c'est une carte qui donne envie, beaucoup. Il y a Moxley Hardy. First time Hardy. Ever. Il enchaîne les matchs en ce moment, Jeff Hardy. Ouais, ben je pense que Tony Khan a écouté le podcast des Hardy, mais qui disait qu'il était. Les deux étaient frustrés de rien faire, ouais. Ah, c'est vrai que c'est quand même dingue, je pense, de t'appeler Hardy et d'être à Rampage, quoi. Ouais, non, mais c'est. C'est sûr, tu sais, parce que quand ils ont débuté, ben, c'était le contraire. Ben, jusqu'à temps que Jeff, il y a un petit problème de justice encore. Là, mais... Il avait fait un bon match pour son retour face à Darby. Jeff, le deuxième qu'il avait fait, il était moins bon, tu vois, que le premier. Là, je pense contre Moxley, ça risque d'être pas mal, tu vois. Ça risque d'être pas mal, donc. À voir ce que ça va donner, mais c'est Jeff, tu le sens beaucoup plus en forme dans les prises de décision, dans les prises qu'il fait, tu sens qu'il est beaucoup plus à l'aise. Je peux vous poser une question là? Oui. C'est qui Toa Liona? Mogul Embassy. Je l'ai expliqué, c'est un membre de Mogul Embassy. Ok. Le groupe de Swerve avec Prince Nana, tout ça, donc c'est. Ok. C'est un beau groupe. Et après, Deonna Purrazzo contre Taya Valkyrie, ça peut faire un moment. Taya Valkyrie, ça fait un moment, on n'a pas vu catcher. Deonna Purrazzo, c'est une très bonne... Et Jamie Hayter revient quand, là? Putain de merde. Jamie Hayter, ben, elle prend son temps. Hein. Peut-être qu'à Révolution, elle va faire son retour. Ça sert à rien, là, de la lancer maintenant, je trouve. On sait même pas si elle est prête. Ouais, c'est vrai. Parce que les blessures comme ça, c'est vrai que c'est... Ça prend du temps. Ça prend du temps. Pardonne pas. Après Jericho Fletcher, ben ouais, le programme il est pas complet comme le dit Antoine, donc d'ici le début du show, je pense qu'il va en annoncer. Ils vont pas non plus Tony annoncer Khan. 20 000 matchs. Hein. Oh, ouais, avec Tony Khan, on sait jamais. Ouais, puis aussi. Oui, puis aussi, je sais pas si vous voulez parler d'Okada. Ouais, Kazuchika Okada. Free agent. Hottest free agent janvier. Il va signer à la AEW, lui, c'est sûr. Sûr, je sais pas, mais il y a de fortes chances. Quasi sur Okada.
Moi aussi, je pense que c'est sûr avec ce qu'on a vu ce matin, là, parce que je ne sais pas si vous avez vu l'article sur Catch News, mais ce matin, on apprenait que Okada avait déposé sa marque de commerce pour son nom, pour son merchandising, puis aussi qu'il était retiré du Pro Wrestling Tee. Tu sais, puis si c'est un catcher du WWE, ben par défaut, habituellement, il dépose pas sa marque de commerce. Sauf s'il a peur que la WWE le piège, tu vois, en l'emprisonnant et en lui prenant son nom. Faudra parler de Triple H qui arrive à signer personne. Non, après Triple H, je pense vraiment, genre Okada, tu sais, ce genre de nom, même à l'époque, il y avait Jay White. Genre, je pense, tu vois, il est en mode, ok, ce serait pas mal de les avoir, mais il va pas non plus tout donner pour les avoir, tu vois. Je pense pas que ce soit la priorité de WWE, ce genre de nom. Genre, un Naomi est plus rentable qu'un Okada, je pense. Pour WWE. Ouais, mais Okada, pour le marché japonais, là, c'est plus intéressant que Jay White à l'époque, déjà. Ouais, ou c'est plus intéressant que Nakamura, même. Là. Ah oui, largement. Largement, parce que Okada, ça traverse vraiment. Et c'était la superstar suprême. Nakamura, il a jamais vraiment été. Ce qui est actuellement Okada, ou même ce qu'il est depuis de nombreuses années, Nakamura, il a jamais été à ce niveau-là. Il a été une grosse star de la New Japan, même quand il est parti, les gens étaient dégoûtés, mais Okada, c'est l'effet d'une bombe. Le fait qu'il parte, beaucoup sont surpris, tu vois, c'était vraiment. Parce que c'est vraiment la vraie star japonaise. Si la WWE réussit à l'avoir, c'est une grosse acquisition, c'est sûr. Après, beaucoup se disent. À quoi ça sert de partir du Japon si c'est pour aller à la AEW? Parce qu'il y a des partenariats, mais après, ça veut rien dire. C'est comme Jay White. C'est comme Jay White. C'est comme Carl Fletcher. C'est ça. C'est un peu la même Japan, dynamique. C'est se concentrer sur la AEW, sur sa carrière aux États-Unis. Aux États-Unis. Donc, tout est possible. On peut quitter la New Japan et aller à la AEW. Mais en tout cas, on en saura plus dans les semaines à venir parce que son contrat finit aujourd'hui, techniquement. Ouais. Donc, on en saura plus dans les semaines à venir. Stream ou flemme dimanche? Normalement, stream. Normalement. Pas normalement. Non, stream. Stream dimanche, ouais. Et j'ai repris un bon rythme, là, c'est bon. Là. En fait, le problème de ces trois dernières semaines, c'est que je me réveillais, il était 20h. Donc, très compliqué pour stream. À part de stream à 4h du mat, peut-être. C'est parfait. Ben là, c'est comme bon, ça, j'ai repris comme un ça, bon tu rejoins le public mais canadien à 20h, c'est parfait. Parfait. Donc oui, stream dimanche. Normalement. Non, je rigole. Stream dimanche. Puis en plus, Jurta va être là, non? Oui, évidemment. Normalement. Ah, évidemment, là, bonne soirée, les amis. Merci à vous d'être sur le live. Ça fait plaisir. Rendez-vous dimanche. Et bonne fin de semaine à vous. Ciao! Oh yeah! Merci tout le monde. Catch you dimanche. Ça part! How